Yo les gars, ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Yo tous ceux qui sont sur leur div, vous êtes les boss, merci d'être là les frérots. À chaque fois je le dis, chaque rediff de live je le dis, mais ceux qui regardent les rediffs, vous êtes des cracks. Merci les gars, ça fait plaisir. Aïe 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 aïe, on attend que tout le monde arrive. Les amis, aujourd'hui on va encore jouer à Clash Royale. J'ai envie de vous dire, je suis accro, j'ai envie de devenir un joueur pro. Mon objectif maintenant est de devenir joueur pro Clash Royale. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais j'y crois dur comme fer. Yo le chat! Wesh le chat, ça dit quoi les gars? Yo BG, bien ou quoi? Bah ça va toujours et vous? Les gars, de toute façon c'est très simple. Si je ne vais pas bien, je ne live pas. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. En fait non, je dirais même mieux. Dès que je suis en live, je vais bien. Eh oui frérot, je lance un live, ça va mieux. Tout de suite. Yo les gars, yo le joueur pro. Merci. Je suis déjà joueur pro pour vous. Fulbert, merci pour ton sub. Mettre en réel insta les trois danses non diffusées en prime dance. Sont-ils des projets abandonnés? Un peu, je dois dire la vérité, un peu. Si je dois dire la vérité, les amis, et les gars, est-ce que vous voulez que je vous dise tous les trucs que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini et que je ne terminerai pas? Il y en a pas mal. Premier truc, le gage de la danse, la polka. Je le ferai jamais. Je me suis démotivé, j'ai trop la flemme. Je suis désolé, j'ai trop la flemme. En fait, normalement, tu vois, les gages, même si c'est relou. Ouais, non, c'est relou en vrai, les gages. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est un gage et je le fais pas. J'avoue, je suis une merde. C'est pas bien. Mais c'est un projet abandonné parce que de toute façon, maintenant, ça fait trop longtemps. La vidéo est sortie il y a 3 mois, frérot. Ça fait trop longtemps. Ensuite, faire la valse. Sur mon Instagram, c'est un projet abandonné. On le fera pas non plus. J'ai eu une surdose de danse. Mais en fait, non, parce que je kiffe la danse. J'ai envie d'en refaire limite. Mais voilà, c'est des projets abandonnés. L'aventure Minecraft avec Inox, projet abandonné. L'aventure Minecraft, moi, mon aventure Minecraft en solo, en hardcore, abandonné. L'aventure Pokémon Arceus abandonné. J'ai fait qu'un épisode, mais je continuerai pas en live. Il y a pas mal de trucs. Il risque quoi en fait? La cabane dans les arbres. La cabane dans la forêt. Abandonné. La cabane dans la forêt, les gars. Non. Quoi? Non, c'est pas vrai. Les gars, c'était une blague. La cabane dans les arbres, je la ferai. C'était une blague, j'attendais vos réactions. Mytho. Non, c'est une blague. Ça, par contre, c'est pas un projet abandonné. La cabane dans la forêt, on va le faire, bordel de merde. Non, mais les gars, je vous jure que ça fait 2 ans que j'en parle et je la ferai. Pokémon Diamant, est-ce que je finirai en vrai? Je pense que je finirai quand même. En fait, maintenant j'ai la flemme de jouer à Pokémon Diamant. En fait, là en ce moment, il n'y a qu'un jeu que je joue, c'est Clash Royale. En vrai de vrai. En ce moment, juste, je me la bute à Clash Royale. Et de temps en temps, je fais un petit live sur un autre jeu qui n'a rien à voir, tu vois, mais. Pokémon Arc abandonné. Pokémon Diamant, j'aimerais bien finir parce que sachant qu'on est bientôt à la fin, ça serait con de pas terminer. Mais ouais, il y a pas mal. En vrai, j'ai abandonné. Elsa est-elle abandonnée? Non, vous êtes horrible, les gars. Oh, vous êtes horrible. Ouais. J'abandonne pas tout dans ma vie non plus. Oh. Itzai, merci pour tes 1,50$. Merci, mon ref. Merci, Clément, pour tes 5€. Skylanders, merci pour tes 2€. Teaser Snooze, merci pour tes 5€. Mais ouais, en vrai, il y a pas mal de trucs que j'abandonne. Mais en fait, parce que je me lance dans trop de séries et tout.
En fait, le problème, c'est qu'en live, je lance des aventures en mode « Ouais, les gars, on va faire Pokémon Diamant !» Sauf que je live 3 heures... Quand je live 3 heures, je live aller 3 fois par semaine. Donc 9 heures dans la semaine, sachant que j'ai pas envie de faire que du Pokémon. Je fais 3 heures de live Pokémon par semaine. Ça fait que l'aventure, ça dure 5 semaines. Et au bout de 5 semaines, j'ai plus envie de jouer à Pokémon. Et du coup, ça tombe à l'eau. En fait, c'est ça le problème. C'est que je me lance dans des aventures. En fait, il faudrait que quand je me lance dans une aventure, je sèche le jeu. Genre pendant 2 jours, je suis tout le temps en live, je joue qu'à ça. Mais ouais, c'est un peu relou. Donc ouais, en vrai j'arrête pas de me... En fait, je me rends compte avec le temps que les let's play, c'est moins mon truc. Parce que en fait, je kiffe, hein, je kiffe faire des let's play. Mais le problème des let's play, c'est que ça prend trop de temps. Et du coup, c'est un peu galère. Genre un truc en 3-4 épisodes, c'est cool. Un truc en 10 épisodes, c'est un peu plus galère. Teaser Snooze, merci pour tes 2€. Michou, ça te dit je viens à Webedia? Bah pourquoi frérot? Je te connais même pas, Teaser Snooze. Je te kiffe, hein, mais je sais pas, frère, c'est fait ta vie. Coco Beans, merci pour tes 5€ pour te payer une fleur que tu vas vraiment offrir. Let's go! Merci, Coco Beans, grâce à toi, j'ai économisé des sous pour la Saint-Valentin. Florent Morel, merci pour tes 10€, merci beaucoup. Bon, les frérots, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour jouer à Clash Royale. On a un méga pack opening, sa mère à faire. Je vous préviens, on a un giga pack opening. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Ah, vous n'êtes pas prêts. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir, hein. On a des coffres à ouvrir. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Alors, attendez, si je fais ça. Let's go, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que vous entendez le son du jeu? Parce que moi, je l'entends pas. Vous entendez pas? Non, je pense que vous entendez pas. Mais moi, je l'entends pas non plus. Attendez, pourtant, il y a le son. Je débranche, je rebranche. Attendez. Normalement, vous allez revoir. Tac. Let's go! Là, vous entendez, là? Là, vous entendez le son, on est d'accord? Le chat, vous entendez le son? Eh, hey, on a un méga pack opening à faire. T-Swart, merci pour tes 5€. Merci le Geeker Gaming pour tes 2€. Elsa est enceinte. Eh, hey, mais vous rendez fou avec cette rumeur. Eh, hey, mais vous savez que je suis allé dans la famille d'Elsa il n'y a pas longtemps. Et carrément, carrément dans sa famille, tu sais, ils étaient en mode Elsa est enceinte et tout, machin. Genre la rumeur, elle est trop loin, tu vois. Caméléon, merci pour tes 10€. Merci mon ref. Oui, vous entendez le son. Let's go. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour un méga giga pack opening? J'espère que vous êtes prêts. On a des coffres à faire péter. Déjà, on a un coffre en or dans 3 minutes. Ça, c'est beau. On a coffre géant, coffre magique, coffre joker royal. Je crois que dans ce coffre, on a un champion garanti. Et ça, c'est beau. Et surtout, les gars, on a énormément de coffres comme ça à ouvrir. Parce que je suis au palier 19. Je suis au palier 19 et tous ces coffres-là, je les ai pas ouverts depuis... J'ai ouvert que le premier, en fait. J'ai ouvert que le premier, après je me suis dit, ah, mais je vais les garder pour les ouvrir en live. Donc, il y en a énormément à récupérer, les frérots. Garde-clan, j'ai déjà fait. Eh, mais j'avais pas un coffre de garde-clan à récupérer. Eh, les gars, je crois que mon coffre de garde-clan, il a disparu. Le chat... Est-ce que le chat, est-ce que notre coffre de guerre de clan, il peut disparaître? Parce que je crois que la guerre de clan, l'autre guerre de clan qu'on avait fait avant, j'avais gardé mon coffre. Et sauf que comme on en a relancé une nouvelle, bah je l'ai perdu. Oui. Si tu skips, c'est possible. Si tu l'ouvres pas, il disparaît. J'ai trop le seum. J'ai perdu mon coffre de guerre de clan. Oh, vas-y, je suis dégoûté, frère. Frère, je suis dégoûté. Ok. Ok. Et au fait, les gars, pour donner un petit peu des nouvelles, vous rappelez, la dernière fois, on a fait un pack opening. On avait dit, ouais, on va pas prendre de reine parce que normalement, il y a un livre ultime qui sera dans le pass de combat, palier 5. Palier 5, pass de combat, livre ultime. Ah, je suis trop content.
Donc, on va pas ouvrir le coffre Joker tout de suite. D'abord, on va mettre la reine au niveau... on va mettre le livre ultime sur la reine, histoire que je peux plus avoir de reine, et comme ça on ouvrira le coffre Joker, et là j'espère on aura un petit roi squelette, un petit truc comme ça. Allez, c'est parti les gars, pack opening. Ces coffres là c'est très dur d'avoir une légendaire, mais on sait jamais, on va essayer. Et voilà. Merci Lucas pour tes 5 euros, merci Gaëtan, Kozyu et Andy, merci les gars pour tous vos dons. Alors j'ai eu raison pour le livre pour ta reine Max, t'as eu raison. Le chat, vous aviez eu raison, j'ai bien fait de vous écouter. Le titre c'est réel. Les gars, je veux devenir joueur pro. En fait, moi les gars, j'ai un objectif. Et je vous dis, j'ai un objectif sur Clash. En vrai, je veux pas devenir joueur pro Clash Royale. J'aimerais bien, en vrai j'aimerais trop, ce serait incroyable. En fait, j'ai un objectif, le chat. Regardez mon nombre de trophées. Je suis à 5900 trophées. Et regardez si je fais classement joueur local. Donc, dans les 1000 meilleurs de France. Le 1000ème joueur en France, il a 6400 trophées. Je suis à 400, frère. Je suis à 430 trophées de lui. Il me manque 430 trophées pour être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Est-ce que tu te rends compte? Non, pas les 1000 meilleurs clans de France. Pour être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Je suis toujours dans les clans. Mec, j'aimerais trop, bref, vous avez capté. Bref, j'aimerais trop être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais voilà, voilà, voilà. C'est le début de la saison là. Oui, je sais, là c'est le début de la saison, mais c'est le début de la saison pour moi aussi, les gars. C'est le début de la saison pour ceux qui sont à 6400, mais c'est aussi le début de la saison pour moi qui suis à 6000. Parce que moi, la dernière saison, bon, c'est pas un truc de fou, j'étais à 6300. Attends, je vais regarder. Je vais juste regarder. Lui par exemple, il était à combien la base? Ah ouais, il était à 7000. Alors que moi j'étais à 6300. Ok, ouais, il y a une petite marche quand même. Ouais, c'est un peu dur, hein. Ça va être dur, ça va être dur. Mais on sait jamais. Alicia, merci pour tes 2 euros. Merci beaucoup. Et ben les gars, c'est parti. Pack opening, on commence avec du petit coffre en or. Allez, ça fait plaisir. On a une petite épique. Pas de légendaire pour l'instant, c'est normal, c'est un coffre en or. Coffre géant, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Il me faut de l'or, il me faut beaucoup d'or aussi. Ça ferait plaisir. Oh là là, 295 joker commune. Mais hey, joker commune les gars, j'en ai plein. Mais je sais pas quoi en faire. Parce que mes communes... Je joue pas trop de communes, donc je sais pas quelle commune améliorer. Et du coup j'ai plein de jokers pour rien. Un chasseur. Oh attendez, j'ai eu toutes les communes. Une épique. Si on a toutes les rares les gars. Allez, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Oh fait chier. Bon, 21 méga gargouilles, je suis très content. Méga gargouille, je la joue souvent, donc ça fait plaisir. Mais ah merde. Ok, 54 extracteurs, pourquoi pas, je prends, pas de légendaire. Allez, coffre magique, là on peut avoir un légendaire, là. On peut avoir une petite légendaire qui régale. Allez, c'est parti, 6 gobelins, ok, ça commence. T'es moi, je suis dans la même pose que le gobelin. Je suis dans la même pose que le gobelin, les gars. En fait, je suis un gobelin. Je crois que je suis un gobelin, les gars. T'es moi, j'ai les mêmes oreilles décollées que lui. Je suis son frère jumeau, frère. Je suis son frère jumeau, gros. Je suis le frère jumeau du gobelin. Le prochain, il va être comme ça, les gars. Le prochain, il va être comme ça. Ah, merde. Encore des gobelins. Mais attends, mais je suis hanté par les gobelins. Eh, il est... Attends, je rêve où le gobelin, il est comme ça. Eh, souvent, dans mes photos, j'aime bien faire ça, moi. Et là, le gobelin, il est comme ça, avec ses dagues. Mais je crois que je suis un gobelin. Les gars, je crois que je suis un gobelin. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un champion dans un coffre magique? Le chat, on peut avoir un champion dans un coffre magique? Mich Gobelin. Coïncidence, je ne pense pas. Je suis un gobelin, les gars. Je suis un gobelin. Je viens manger vos pièces d'or. Géraldine, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Oui, on peut. Non. Oui, non. Bah, les gars, faut vous décider, hein. Il y a 50% de oui, 50% de non. Oui, mais c'est très rare. Ah, ok. Oui, dans tout, je peux avoir un champion dans un coffre en or. Mec, si j'ai un champion dans un coffre en or, je suis l'homme le plus chanceux de France. Ok. Fripon, allez, il faut toutes les communes, s'il te plaît, frérot. Déjà, là, on peut plus avoir de champion, mais on peut avoir une légendaire.
On a toutes les communes, mon pote. Ça commence bien. De la gargouille, j'aime bien. Allez, on continue. Toutes les rares. Oh, fait chier, on n'a pas toutes les épiques. Putain, on n'a même pas de légendaire. Je veux des champions, on n'a même pas de légendaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un champion? Du sort de rage, putain, c'est vraiment le seul truc que je voulais pas, quoi. Ok, le coffre Joker, on le garde. Allez, là, on ouvre les coffres à objectif. Allez, mon pote, régale-moi, s'il te plaît, frérot. J'en ai 18 à ouvrir comme toi, s'il te plaît. Ok, ça commence pas très bien. On a une petite épique, quand même. On a quand même une petite épique, c'est pas mal. Hop là, du Joker rare. Allez, mon pote. Ok, c'est foutu. C'est foutu pour ce coffre, on n'a pas d'épique. Allez, on continue, les gars. Hop, 10 jokers. Allez, frérot. Régale-moi. Oh. Ouais, mais non, parce que il faut avoir une épique. Bah ouais. Là, j'ai l'épique, là, j'ai les rares. Et du coup, il n'y a plus de place pour la légendaire. Fait chier, quoi, en plus de la 3 bombes. Le livre ultime. Le livre ultime, les amis. Le livre ultime, let's go. Et du coup, le livre ultime, qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'utiliser tout de suite, mon frérot. On va l'utiliser tout de suite sur la Reine des Archers. Et bam! Et bam! Reine des Archers, je vais pouvoir la passer au niveau 14. Mec, je veux avoir la reine niveau max, frère. C'est magnifique. 1 million d'or. Non, attends. Ah non, c'est 100 000. Ah oui, c'est comme tous les autres. Je croyais que c'était 1 million, frère. C'est, j'avais l'impression qu'il y avait trop de zéros. Ok. Les gars, 100 000 or, on améliore la règle. Je suis trop content. Ok. Allez, toi, régale-moi, mon pote. Putain, c'est mort, frère. On a des épiques, c'est cool. Par contre, on a des bonnes cartes, hein. On a tornade, machine volante, c'est cool. Allez, hop, du Joker commune. Oh, on a toutes les rares, là. On a toutes les communes. On n'avait pas eu toutes les rares. Oh non. Oh non. Oh non, frère. Oh non, je suis dégoûté. Merci Stein pour tes 5$ canadiens. Merci Bassirou pour tes 2€. Journée de merde, mais ça, quel plaisir de te voir. C'est pour ça que je suis là. Oh, je suis dégoûté. Attends, mais j'ai la même poste que le gobelin géant. Quand je tryhard, les gars, quand je tryhard sur un jeu, je suis comme ça. Quand je tryhard, je suis comme ça. Vous avez jamais remarqué? Quand je joue à Clash Royale en plein combat et que je tryhard, je suis comme ça. J'ai la même pose que lui, mais frère, c'est... Je pense vraiment que je suis un gobelin. Ok. Putain. Ok, bon. Merci pour les rares. Oh, petite clé de coffre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Allez, s'il te plaît, là. Une légendaire, frère. Je te demande rien. Ok, gang de gobelins. On a toutes les communes, mais c'est mort. Bah ouais, du coup on a une épique. Après, on a beaucoup de chance, parce qu'en vrai on n'est pas on n'a pas 100% de chance d'avoir une épique. On en a souvent. Allez, toutes les communes. Putain. Mais bon, j'ai toujours la même chose. Je suis toujours sort de foudre, golem d'élixir. Toujours la même chose, frère. T'es prêt ou pas? Sort de foudre. Ah non. Ok, machine volante, pourquoi pas. Par contre j'ai... Oh. Wesh, il est trop stylé, le skin. Oh, il est trop d'art. Je vais le mettre direct, frère. Et en vrai, je commence à avoir pas mal de skins de tour, là, je me rends pas compte. Oh, lui, je le mets direct, il est trop d'art. Allez, on continue, mon pote. Allez, s'il te plaît. Oh là 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 là, même pas d'épique, 10 000 or, ça régale. 10 joker rare, ça c'est très cool. Putain, mais c'est pas vrai! Cache gobelin, mais j'ai que des gobelins! Mais j'ai que des gobelins, frère, t'es mort, dirais-moi encore! Il a un mono-sourcil! Vous voyez ce que j'ai là ou pas? J'ai le même sourcil que lui! Je suis un gobelin. Je vous jure, je pense que je suis un gobelin. J'ai le même sourcil que lui, frère. Je suis un gobelin, mec. Comme par hasard, il a les yeux, quelle couleur? Il a les yeux verts? J'ai les yeux verts. Je pense que je suis un gobelin. Ça fait peur carrément. Non mais là ça fait peur. Miche blin. La même taille aussi. Allez bâtard. Allez bâtard. La même taille que... Allez bâtard. Eh, vous êtes comme ça. Mais eh, vous êtes des bâtards. Oh, oh les enfoirés.
Oh les enfoirés. Il pue, tu pues. Oh, je vous permets. Alors là, je vous permets pas. Alors là, je vous permets pas. Oh, ah mais non, il n'y a pas eu toutes les rares. Et encore un gobelin, mais j'en ai marre. Mec, je suis hanté par les gobelins. Est-ce qu'on va réussir? Attends. Est-ce qu'on va avoir un coffre sans gobelin? Mais c'est pas possible. Frérot, c'est pas possible. Dans tous mes coffres, j'ai des gobelins. Attends, on retente l'expérience. Ok. 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 Coffre sans gobelin, les gars. Par contre, ça, c'est un coffre de raciste. Hein. Ça, je reconnais. Hein. C'est un coffre pas très cool. Hein. Hop là, petite clé de coffre. Tac, tac, tac. Allez, frère, s'il te plaît, toutes les communes d'un coup. S'il te plaît, regarde-moi. Oh, ça commence très bien. Parce que là, on n'a pas toutes les communes, ni toutes les rares. Mais on a une épique. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait toutes les épiques. Et allez, encore un gobelin. Allez, frère. Putain. Putain. Et c'est trop dur d'avoir une légendaire là-dedans, wesh. Mais je pense que même dans les coffres en or, il y a plus de légendaires, hein. Mais attends, c'est pas possible, c'est déjà mes deux derniers. Oh. Oh non, j'ai eu toutes les communes, mais vas-y frère, j'ai même pas eu, j'ai même pas eu d'épique quoi. Oh non. Bah les gars, c'est déjà le dernier coffre. Bon bah là je me rassois parce que bon, ça sent pas bon, mais oh dommage. Allez, on sait jamais les gars, faut toujours y croire. Ah, c'est mort. C'est mort, même pas d'épique. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Ah c'est dur hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, tant pis. Tant pis, au moins on y aura cru. On y aura cru jusqu'au bout. Par contre du coup les gars, ce serait cool qu'on aille au niveau, au palier 30. Parce que palier 30, qu'est-ce qu'on a? Un écu magique. Du coup j'aurais pas besoin de dépenser tout mon or. Donc on va essayer d'aller au palier 30. Ce qui veut dire qu'il nous faut des couronnes. Ah mais attendez, on a encore ce coffre là à ouvrir. J'ai oublié. On a ce coffre à ouvrir, let's go. J'avais oublié frère. Ouh, 9500 or, ça met bien. Oh, ça met bien, ça met très très bien. Allez on continue. Ah mais oui, c'est un coffre 4 jokers, c'est vrai. Mais du coup, champion, on va avoir un joker champion. Attends. Ok, la joker légendaire. Ok. Et du coup champion, si c'est pas un joker qu'on a, j'aimerais du roi squelette s'il te plaît. Parce que vous allez voir, j'ai créé un nouveau deck les gars. Il est incroyable. Oh c'est pas un joker. Le roi, le roi, le roi, le roi. Bon ok, en vrai ça me va aussi. C'est un champion, je suis quand même très content. Mais regardez ce deck là les gars. Ce deck là, c'est un nouveau deck. Non attendez, c'est pas ce deck là. Si c'est ce deck. Si c'est ce deck là. Si, c'est ce deck là. Ce deck là les gars, c'est un nouveau deck que j'ai envie d'améliorer. Je vous explique pourquoi. Je parlais avec un mec de mon clan ce matin. Et regardez, regardez, regardez dans mon clan. Il a quitté le clan. Il a quitté le clan, frère. Roi gobelin. Oh le bâtard. Il est chef adjoint d'un autre clan. Oh le bâtard. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Mais ouais, regardez, c'est un mec, il a 6800 trophées les gars, et il joue ce deck. Et en gros, je parlais avec lui, et il m'a dit, ouais, comme t'aimes bien Golem Cimetière, t'aimes mon deck et tout. Et en vrai, il est chaud, hein, frère, il est très très chaud. Donc c'est un deck, tu peux aller, après, faut savoir le jouer, forcément. Mais c'est un gobelin lui aussi, j'avoue, il s'appelle Roi Gobelin. Eh, j'en ai marre, j'en ai marre. Pense, c'est un traître, wesh. À deux doigts de l'enlever de mes amis. Mais du coup ouais, du coup le roi squelette depuis je l'aime bien. J'ai envie de l'améliorer tu vois. Mais voilà. Est-ce qu'on fait des games classés? Parce que là je suis à presque 6000 trophées. Avant d'être dur les games classés là.
Regardez à sa place qui aurait eu la honte. Pourquoi? Il lui a mis un 3-0. Attends, il a mis un 3-0. Ah non, rien. Ok. Enzo rejeté. Oh, wesh, il a rejeté Enzo. Pourquoi il l'a rejeté? Rejeté par Topolino. Pourquoi il a rejeté un mec? Slaze a quitté le clan. Mais wesh, mais ils ont quoi tous quitté? Mais Akashi a quitté le clan. Ok. De toute façon, il venait d'arriver. Bon, en vrai, ça va. En vrai, les gars, mon clan. En vrai, mon clan. Ça commence à me faire chier que les gens ils font des allers-retours dans mon clan. Parce qu'il y a plein de gens, ils viennent dans le clan, mais ils s'en vont une semaine, ils reviennent 3 jours, ils repartent un jour, ils reviennent. C'est un peu chiant. Mais ce qui est bien là, c'est qu'il commence à y avoir un noyau dur. Genre, tout cela là, on est là depuis le début. Benoît il bouge pas, les gens de Clash ça bouge pas, la capuche ça bouge pas. Redzi ça me dit rien, Matt Golem ça bouge pas, El Patron ça bouge pas, Canel ça bouge pas, Jean Mouloud. En vrai, il y a grave du monde qui est là depuis le début, donc ça fait quand même plaisir. Mais il y en a beaucoup qui font des allers-retours, c'est un peu relou. Bref, les gars, est-ce qu'on ferait pas des petites games classées? Comme ça, on essaye d'avoir des couronnes et on essaye d'avoir les 4 coffres. Allez, c'est parti. C'est parti, on essaye les 6 micro-feux aussi, ça serait cool. Allez, le chat, si je gagne ce combat, normalement j'ai 6 micro-feux. Encouragez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Et vous allez voir maintenant comment je joue un petit peu mon nouveau deck. Parce que c'est un nouveau deck finalement que je joue là. Vous m'avez pas beaucoup vu jouer ce deck. Bon, je boule de feu. Est-ce que c'était le bon truc à faire? Je ne sais. Oh le chien. Attends, comment ça j'ai pas boule de feu son esprit? Je pensais avoir boule de feu son esprit. Je l'ai raté ma boule de feu. Bonne chance, merci les gars. Merci, allez courage, allez Michou. Allez les gars, faut que je le fume. Bon, du coup il joue voleuse foudre. Foudre, ça me saoule. Eh foudre, je vous jure les gars. C'est un peu risqué ce que je fais, mais je tente. Ok. Du moment qu'il me met pas des barbares d'élite, un bail comme ça. Ok, très bien. Très bien, il me contre-push pas, je suis content. Mais le foudre, j'en ai ras-le-bol frère. À chaque fois, les gens, soit ils foudrent ma sorcière de la nuit, soit ils foudrent ma reine, soit ils foudrent les deux. J'en ai marre. Oh le bâtard. Bon, j'ai le zap. Non, je vais boule de feu. Parce que le zap, faut que je le garde pour son. Bah, y a rien en fait. Qu'est-ce que je raconte? Faut que je le garde pour rien le zap. Oh non, ma sorcière, elle est morte. Ah là, j'ai un peu trop attaqué là. Je pense qu'il va vouloir mettre une voleuse, non? Non. Ok, ah si. Hop là, désolé mon pote, ça passe pas. Ok, lui ça l'oblige à remettre un canon. Ok, lui il a un deck. Il a un deck très cyclique. Hein. C'est canon, dragon de l'enfer, méga chevalier, voleuse. Et après, c'est que des trucs pour cycler. Ok, je remets un golem, on va voir ce qu'il y a à faire. Pas grand chose. Attends, il pose rien là? Oh! Mec, attends, il perd trop d'élixir là! Wesh! Son canon il va péter. Hop là, on va mettre la pression de l'autre côté. En plus, il a mis son méga chevalier, c'est parfait. Hop là, son dragon de l'enfer il die. Oh là on va lui mettre la... Oh, oh là on lui met la raclée de sa vie frérot. Oh là 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 là, on lui met la raclée de sa vie. Go le 3 coucou. Non mais là il va forcément foudre. Go le 3 coucou. Ah chavé, 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 chavé. On s'en balèque. Mais en même temps mec, il a un deck, il a pas de défense frérot. Son deck il a 3 cartes. Let's go. Oh merde. Allez, s'il te plaît, laisse-moi, il me faut des couronnes. Oh, dommage. J'aurais dû boule de feu au lieu de mettre les barbares d'élite. Oh, dommage. J'aurais kiffé avoir un petit 3 couronnes. Normalement, 6 000 trophées là. Attendez. Attendez, parce que j'ai eu que 26. Bah ouais, c'est bon. Let's go. Les 6 000 trophées, mon gars. On y est revenu frérot. Les 6 000 trophées. Oh dommage, j'ai pas eu le 3 couronnes. Parce que là il me faut beaucoup de couronnes. Mais let's go. Les gars, je suis trop content. Ah, je suis trop content frère.
Je suis trop content, 6000 trophées. Allez, on va refaire des combats. Maintenant, faut pas descendre. Faut pas tomber, ça ferait un peu chier. BFA, c'est vraiment BFA? MDR, BFA. C'est vraiment BFA ou pas? Non mais moi les gars, j'ai envie que là, les gens que j'accepte, c'est des mecs qui restent dans le clan. Moi j'ai pas envie qu'ils viennent et ils repartent après. Donc je vous accepte les gars. Vous partez une fois du clan, je vous accepte plus jamais. Je suis en coup de gueule en fait là. Let's go, allez les gars on continue. On continue, on est sur une bonne lancée. On continue comme ça les gars. Allez c'est parti, bonne chance. Allez mon pote, on est contre Gob Jonathan. Oh merde. Oh bah c'est parfait ça. Et bah voilà on en parle plus. Ah il me tape quand même. Putain ça fait mal quand même wesh. Ok. Ok je pense que du coup il a pu, il a mis ses cochons. Wesh. Alors attendez parce que là du coup il va falloir que je garde la boule de feu pour ses mousquetaires. Est-ce que je barbare d'élite en plus? Je barbare d'élite en plus, frère. Là, je fume sa mousquetaire. Oh, oh les barbares d'élite! Oh les barbares d'élite qui vont faire un carnage! Oh les barbares d'élite qui font un carnage! Oh la tour qui tombe! Oh là 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 là! Mais oui, monsieur! Mais attendez! Mais mec, je suis en train de leur rouler dessus là! J'aurais peut-être dû mettre la reine au lieu de la sortir la nuit. Pas grave. Quoique. Franchement, elle fait le taf. Ok. Alors, attendez. Parce que là, les gars, faut pas faire de conneries. Faut pas boule de feu. Parce que si je boule de feu, il va mettre ses trois mousquetaires et ça peut faire mal. Ah, d'accord. Bon, bah là, je boule de feu par contre. Hop là. Tac. Allez, mets autre chose. Comme ça, je zappe. Ah, il met rien. Oh le chien. C'est très bien défendu ça. C'est très bien défendu ça Mich Mich. Incroyable cette défense. En plus défense rentable je crois. Parce que j'ai mis 9 d'élixir. Plus la les trucs 3. J'ai mis 12 d'élixir et lui il a mis pareil. Il a mis plus même. Et j'ai envie de tenter le 3 couronnes. Oh, la reine qui a fait un taf monstrueux sur la tour du roi, frérot! Allez, viens là, toi. Oh, il vient pas. Oh, merde, il va faire mal. Vous, vous passerez pas. Oh, merde, j'ai mal zap. Putain, je suis vraiment une merde. J'avais là, les mettre les cochons. C'est pas grave. Oh, le bâtard! Ah non c'est bon le feu à barbare il va passer loin. C'est bon il a la pression lui. Là il sait qu'il doit défendre en même temps. Hop là. On met la reine ici. La reine qui détruit la tour. C'est magnifique et ça part sur la 3 couronnes. Mais c'est quoi ça? Je leur roule dessus frérot. Je leur roule dessus. 3-0 frère. 3-0. Mais c'est trop beau. Non mais c'est trop beau frère. C'est un chef d'œuvre. Les gars, on est en train d'assister à un chef-d'œuvre. On continue à rouler sur les gens ou pas? Est-ce qu'on continue à rouler sur la concu? On continue à rouler sur la concu? GG le gobelin, arrêtez. Arrêtez, je suis pas un gobelin. Je suis pas un gobelin. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai une voix un peu aiguë. Une voix un peu de gobelin. Parce que j'ai une voix de gobelin. Hein. Okay. Allez, on continue. Allez, les gars, on s'arrête pas. Bonne chance. On est contre Toxic Flamme. Oh putain. Allez. Vous pensez que lui je le bats ou pas? Oh. Désolé ça passera pas. Hop là. Ah. Alors. Putain il a éclaté mes barbares d'élite. Problème un peu technique. Ouh là 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 là. Giga giga problème technique. Hop là. Et ben c'est bon ça. Aïe aïe aïe. Non. Oh non. Mais elle est trop forte elle. Je sais la jouer, je sais pas la défendre.
Ah, il a zappé mon armée et il a tué ma reine. Putain, j'ai trop le seum. J'ai utilisé mon truc pour la rendre invisible trop tard. Ah, il m'a éclaté. Par contre, là, il a pu son PK. Après, il va le cycler, je pense. Oh, le chien, sa mère. Putain, ça va faire mal, hein. Là, les gars, ça va être un peu plus dur. On va tenter de mettre la pression. Mais là, le pire, c'est qu'il met son électro. Après, il va récupérer son PK. Putain, fait chier. Par contre, je peux tenter ça. Les chauves-souris qui font un taf monstrueux, wesh. En plus, lui, il a mis trop d'élixir pour défendre le golem. Les barbares d'élite qui vont prendre la tour. Let's go. Wouah, mais là, il abuse. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être du boule de feu en défense, non? Je sais pas. Oh, attends, les barbares d'élite, ils ont éclaté sa tour du roi. Est-ce qu'on tente le... On va tenter le 3 couronnes, frère. Depuis tout à l'heure, on fait des 3 couronnes. On ne s'arrête pas sur un si bon chemin. Oh, le bâtard, je sais exactement ce qu'il va faire. Ah, le chien. Je le fais souvent, moi. Mettre la reine au milieu, la rendre invisible pour faire mal. Sauf que il me l'a fait, ce chien. Tu penses qu'il met le PK? Ok, c'est parti, les gars. Je tente. On tente le tout pour le tout. Je ne sais pas ce qu'on tente, mais on le tente. Là, je vous dis la vérité, même moi, je sais pas. Oh, le barbare d'élite! Alors là, mon pote. Hop là! Invisible! Et bam, j'ai sa tour! Let's go! Attendez, c'est pas fini! Ouah! Encore une victoire! Encore une victoire! Je suis déchaîné! Les gars, c'est bon, je suis joueur pro. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Je suis devenu joueur pro, les gars. Je joue le deck de Walouf. Comment tu veux que je perde? Comment tu veux que je perde? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. On en refait un ou pas? Non, mais je vous le demande. Parce que là, c'est un peu trop facile. Vous voulez qu'on en refasse un? Tu joues un deck cancer et no skill. Viens, viens. Je vais trop le mec. Je vais trop le mec. GG, t'es chaud, t'es chaud. Le gobelin en furie. GG égale gros gobelin. Oh les bâtards. Ah, vous êtes des chiens. Eh, vous êtes vraiment des chiens. Je suis un gros gobelin. Encore, ok. Personne ne m'arrêtera. Allez, c'est parti, on continue. On est contre Connor. C'est parti, bonne chance frérot. Ok, on va le laisser commencer. On va voir un petit peu ce qu'il joue. Ok, des squelettes, pas de soucis, je m'adapte. Je mets des archers. Allez, c'est parti. D'accord, il bûche, pourquoi pas. Ça touche pas l'archer, moi. Ah, je vais rigoler. Je sais pas quoi jouer là. Il est un peu trop passif en face. Une Valkyrie, ok. Attends, s'il a mis la Valkyrie, est-ce que je... Non, non, c'est trop... C'est trop agressif. Ah mais j'ai envie hein. Ok, on va faire comme ça. La Valkyrie, elle va mourir. Le cochon, il tape un petit coup. Oh le chien. Oh le chien, il a bien défendu. Ah, il a très bien défendu hein. Oh, ça tape quand même. Ok, ok, j'ai gratté un peu. C'est dommage, il a pas remis un coup. Du coup, il joue cochon. Alors moi j'ai l'armée de squelette, lui il a la bûche. Faut faire gaffe qu'il nous préchote pas. Mais il sait pas que j'ai l'armée de squelette pour l'instant. Donc je pense qu'il va envoyer un cochon sans envoyer de bûche. Ah par contre il a ça. Et ben il est bien con. Oh il a trop le seum. Oh il a trop le seum. Oh il a trop le seum parce qu'il aurait fait cochon séisme. J'aurais été dans la merde. Mais là il a trop le seum. Oh là, il y a un push golem qui arrive, frérot. Il y a un push golem qui arrive. Il a mis trop d'attaque à gauche. Il est dans la merde. Je crois qu'il a abandonné. Hein. Il a abandonné. Mais les gars, c'est trop facile.
Mais j'en ai marre, c'est trop... Il a abandonné, frérot. On fait rage quitte les adversaires maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait rage quitte les adversaires. J'adore, j'adore. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis trop content. Putain les gars, on a gagné 100 trophées d'un coup là. Eh hey, mais gros, regardez, je vais être à 6100 trophées les gars. 6100 trophées. Je regarde le classement joueur local. Classement joueur local les gars. Il me manque 300 trophées et je suis dans le top 1000 France. Je réalise mon rêve. Je suis dans le top 1000 France. Imaginez-vous, les gars. Vous trouvez que c'est un deck de raciste ou pas, en vrai? Dites-moi, dites-moi. Non, mais les gars, je suis ouvert au débat. Deck de raciste ou pas? Moi, je pense... Dites-moi, deck de raciste ou pas? Moi, je pense pas que c'est un deck de raciste. Golem, pas raciste. La reine des archers. J'avoue que quand elle se met invisible, un peu... Pas raciste, pas raciste. Les barbares d'élite, c'est les mecs les plus purs que j'ai jamais vus. Les archers, alors là, vraiment pas du tout. Alors là, par contre, les archers, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pas du tout. Armée de squelettes, pas raciste. Frérot, t'as un zap, on veut plus rien faire. Le zap, c'est un sort. Boule de feu, c'est un sort. Sorcière de la nuit, pas du tout raciste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, pour moi, c'est un deck pur, les gars. Je fais 4 victoires d'affilée en mode 3 couronnes. Que... Attends, j'ai fait que des 3 couronnes? Attends, attends, attends. Ah non, j'ai fait un 2-1. Ah, 1-0. Oh, mes frères. Ah là, j'avais une défaite. J'ai fait une défaite. Non, mais gros. Victoire, 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 victoire. Frérot, arrêtez-moi. Roi Gobelin vous défie de l'affronter? Roi Gobelin veut m'affronter? Viens là, roi gobelin. Je compte le roi, frère. Roi gobelin. Il sait pas qui l'a à faire. Bonne chance, mon frérot. Putain, il a 6800 trophées quand même, c'est la merde. Ok, pas de problème. Pas de problème, frère. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Pas de soucis, tu mets un champion. Je mets un champion, mon pote. Oh, le chien. Mais frérot, calme-toi là! Il y a des squelettes partout! Très bonne défense. Oh, il a trop le seum! Aïe! Oh, il a trop le seum! J'ai trop bien défendu! Oh, il a trop le seum! J'ai trop bien défendu! Il est dégoûté. Et là, mon pote. Et là, j'envoie la pâtée! Et là, j'envoie le monstre! J'envoie le golem! Bonne chance, roi gobelin. T'as voulu quitter mon clan? T'as voulu... À la base, il était dans mon clan. Il a quitté mon clan, frère. Rien que pour ça, t'es foutu. On quitte pas mon clan. Oh, par contre, attends, parce que là, du coup, ça m'arrange pas, cette histoire. J'ai peut-être zappé un peu tôt. Bon, c'est bon. Son golem est défendu. Pas de problème. Allez, il y a un peu de squelette qui vont tuer la sorcière. Un peu de squelette qui... Oh, le chien, il a mis son roi. Faut que je boule... Oh, bordel, là, c'est un peu chiant. Je boule feu! Let's go! C'est défendu encore. J'ai... Attends, mais je l'ai... Attends, je lui ai fait des dégâts, ça, toi! Je suis un monstre. Je suis un... Les gars, il a 6800 trophées. Je suis un monstre. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ça gratte quand même, hein. Pas mal ce qu'il a fait. Mais du coup, il a perdu beaucoup d'élixir. Alors que moi, j'envoie un golem. Je suis plein d'élixir. Oh, le chien. Aïe, 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 le dragon. Ok, c'est bon, il est défendu. Et là, mon pote, là, il y a un rush qui arrive. Allez, viens là, la sorcière de la nuit. Oh, les barbares d'élite de l'autre côté pour le surprendre. Il est foutu, frérot! Il peut rien faire! Mais c'est un truc de fou, frère! Mais je l'atomise!
Mais attends, c'est une blague? Je l'ai éclaté, hein. Mais gros, je l'ai éclaté, frère. Alors là, roi gobelin, désolé, frérot. Arrête ta carrière de l'e-sport. Arrête ta carrière dans l'e-sport. Roi gobelin, je sais pas si t'es dans l'e-sport, frérot. Mais arrête. Ouais, t'as bien fait de quitter mon clan. T'as bien fait de quitter. Non, roi gobelin, en vrai, je te kiffe, frérot. Mais attends, je lui ai mis 3-0. Hein. Ça, c'est parce qu'il a trahi mon équipe. Non, mais j'étais plus puissant que jamais, frérot. À la base, il était dans mon clan. Il a quitté mon clan. J'étais plus puissant que jamais. Plus remonté que jamais. Voilà ce que je leur fais aux gens qui quittent mon clan. T'es un dieu de Clash Royale. Je vais devenir joueur. Ils veulent m'affronter en tirage triple. Est-ce que je les fume? Est-ce que Topolino... Attends, parce que Topolino, il veut se battre. Topolino, les gars, 8000 trophées. Vas-y, vas-y, viens te battre, Topolino. Topolino, viens te battre. Attends, je rêve, il y a tout le monde qui demande. Oh, vas-y, Topolino, demande. Je fume tout. Après, là, j'ai plus mon deck. Là, j'ai plus mon deck de la mort qui tue. Ah, il a demandé un contre 1 avec mon deck. Non mais attendez, par contre s'il joue TDE, c'est un stream hacker. Non mais il connaît mon deck aussi, c'est de la triche. Pas grave. Il est 49ème France, roi gobelin. Mec, je vais finir dans le top France, moi je te le dis. Vous pensez que je peux le battre ou pas? Je compte Topolino. Attends, 7000 trophées là quand même, hein. En plus il a mis... Attends, en vrai il a été bête de mettre sa tombstone, non? Hop là, invisibilité! Oh, ça tue sa reine! Oh, il a trop le seum, frère. Hop là! Direct le push golem! Ah, par contre son bébé dragon il casse la tête. Aïe. Je sais pas si c'était nécessaire de zap. Oh là là là, ça... Mais c'est incroyable! Mais je fume tout le monde! Attendez, attendez, on va se calmer. Je suis loin de l'avoir fumé. Mais là, oh, il est en train d'utiliser tout son élixir. Hein. Oh là, il a plus d'élixir, frérot. Je te jure que là, j'envoie les barbares d'élite, il est mort. Ah, j'ai peut-être abusé. Parce qu'en vrai, là, s'il a une armée de squelettes, je suis foutu. Ouais, là, j'ai abusé. J'aurais pas dû barbares d'élite. Ok, pas de soucis, j'ai abusé. J'ai trop pris la confiance. Pas grave. Je suis bien, hein. Mais attends, mais mec. Et attends, mais gros. Je suis trop fort, hein. Je vais commencer à croire que je suis joueur pro. Ouh, l'arène qui est mise directement, pas de problème. Normalement, il a plus sa tombstone, il l'a mis tout à l'heure. Après, il l'a peut-être cyclé. Là, il va la mettre, là, dans bientôt, là. Ok, ils sont barbares, ils devraient mourir. Hop. Putain, reste en vie sa reine, fait chier. Ah, sa reine, elle a fait le taf. Hein. Oh, wesh. Alors là, attends, en vrai... Oh, le bâtard. Oh non, sa reine, elle est encore en vie, elle est invisible. Non. Oh, merde. Non mais il a eu trop de la chatte, frère. Elle avait un PV. Oh le bâtard, la Valkyrie. Mais il a pris un counter deck, c'est de la triche, c'est de la triche. C'est de la triche, il connaissait mon deck. Il a pris un deck pour me counter, il avait la Valkyrie, la tombstone. Il savait que je pouvais rien faire. Il savait. C'est un tricheur. C'est un tricheur, Tombstone Valkyrie, je peux pas passer. C'est un tricheur. Il triche. Il cheat. Il cheat. Il cheat. Normalement, je le bats. En vrai, ça va, frère. En vrai, je m'en suis sorti. J'étais pas loin. J'étais pas loin. En vrai, franchement, pour le mec que c'est en face, j'étais pas loin. Bien wesh. Bien wesh, BG. Bien wesh. Bon, je fume qui là? Les gens, ils veulent que je les fume en tirage triple, j'ai l'impression.
Je suis qui en tira? Eh, j'aime trop faire des combats contre des mecs de mon clan. Des fois, il y a Valouz aussi, je vois. Il se bat contre les... Attends, on est 50 là dans le clan? Comment ça, on est 50? On est 50 dans le clan. On est combien de en France, là? On était pas mal redescendu, hein. Ah, on est 5e quand même. Ok. Putain, la première place nous guette. La première place nous guette. Ok. Bon, qui veut se battre, là? Qui veut se battre? Prince Kimo, il est là depuis longtemps. Prince Kimo, je vais le combattre. Il est là depuis longtemps. Prince Kimo. Oh, oh. Je prends quoi, les gars? Oh, les gars, je prends quoi? En tirage triple. Eh, en vrai, on s'entraîne pour le tournoi d'Inox, hein. Les gars, le tournoi d'Inox, ça va être en tirage triple, hein. Donc, en vrai, on s'entraîne, hein. Ok, je le prends. Oh là là. Non, mais là, je vais avoir un combo, frère. Oh, bûcheron ou cam. En fait, ça dépend. Non, en vrai, bûcheron. Bûcheron, il défend bien, il attaque bien. Franchement, il est... Oh, j'ai plus que 10%. Merde. Ok, je viens de la mettre à charger, mais... Oh. Il se passe quoi? Ça va revenir, je pense. Ok, c'est bon. Ok, j'ai mis la tablette à charger. Hop. Esprit électrique. Ok, sorcier de glace, je le trouve trop fort. Sort de foudre, trop fort. Valkyrie, trop... Après, là, mon deck coûte cher. Tornade, c'est trop fort avec ça. Ok, mon deck coûte un peu cher, les gars, mais là, j'ai gagné. Non, mais là, je vous le dis. Prince Kimo, tu me dis ce que tu veux, je te fume. Ah, je le fume. C'est un mec, il a 6900 trophées. Mais frère, c'est que des monstres. Pas de problème. Je le fume, frérot. Bon, j'ai mis la sorcière direct. Je sais pas si j'ai bien fait, sachant qu'elle coûte un peu cher. Est-ce que je foudre direct? Je suis à deux doigts, hein. Ok, je foudre. Oh, il a bien défendu, hein. Lui, il a pas besoin de le... Si, en vrai, aïe. Ah, j'aurais peut-être du Valkyrie. Ouais, voilà, je savais. Oh, fait chier. Oh, quoi? Comment ça, le mortier, il a pris? Mais attends, je rêve, là. Bon, le mortier met deux petits coups, ça va, c'est pas très grave. En vrai, il joue mortier là en face. Mec, mortier, c'est risqué. Hein. En vrai, sachant, sachant ce que je joue, son mortier, il est foutu, frère. Alors là, mec, défends ça. Vas-y, défends ça avec un mortier. Alors là, j'ai hâte de voir. Alors là, frérot, là, je te le dis, il est dans la mouise. Je vais jeter le bourreau sur mon... Oh, le bâtard, la Tesla, il l'a trop bien placé. Putain, attends, mais il a trop bien défendu, là. Il va mettre son mortier. J'avais... Eh mais en vrai attends. Oh, mais j'ai son... Mais mec, j'ai son compte de ouf. T'es vrai ou pas? Mais en vrai mec, j'ai son méga contre, hein. Après ça me coûte un peu cher, non? Ok, je remets un électro, c'est parti. Séisme, pas de soucis, ça ralentit mon électro. Sachant que lui, il a mis une Tesla qui est en train de se tuer petit à petit. Oh le chien. Hop là, toi, viens sur l'électro. Comme ça, tu prends des dégâts. On envoie un push au bûcheron. Eh, il défend bien, hein. Après là, il utilise tout en défense. Là, son problème, c'est qu'il est que en train de défendre. Et du coup, moi, je vais mettre la pression. Putain, en fait la sorcière elle coûte cher. Parce que là j'ai envie de faire ça. Allez, va pas sur le mortier. Oh, il va sur le mortier, fait chier. Fait chier, il va sur le mortier. J'ai trop le seum. Mais là il va attaquer quoi? Il va remettre un mortier. Putain, il me gratte au séisme. C'est quoi cette technique de rat là?
Ah, fais chier, la tornade, elle va pas assez loin. Oh là, j'ai mal joué. Putain, je joue pas très bien en vrai. Ah, le mortier en plus, il a tapé là. Allez, le sort de foot, viens. Viens là, frérot. Ok. Putain! Il défend trop bien! J'en ai marre! C'est pas possible! C'est son bourreau là! Mais attends, mais wesh, il est trop chaud! Attends, il m'a vrai. Mais attends, mais. En vrai, mec, il est chaud, hein. Mec, avec le deck que j'avais, j'étais sûr de gagner, hein. Je suis un peu choqué là. Je suis choqué de la performance. Mais wesh! Essaye de défendre et contre-attaque. Mais le problème, c'est que lui, il m'a un mortier. Donc, je suis obligé de défendre en attaquant. Putain. Putain. Il m'a allumé, frère. J'ai trop le seum. Je suis qui là? Ils sont tous comme des ouf. Tout le monde veut que je les fume. Je fume qui? Je fume qui? Je fume qui? Kazen. Kazen, je crois, il a beaucoup de trophées. Kazen, il a beaucoup de trophées. Oh là là, les barbares d'élite. Ah, j'aurais dû prendre le canon en vrai. Les barbares d'élite, ils sont trop facilement défendables. Ok, la bûche. Pour accompagner les barbares d'élite. Le bébé dragon, il fait un taf monstrueux. Le bouliste en défense, il est imbattable. Oh, cimetière. Cimetière, allez. Comme ça, on peut faire un bouliste cimetière. Esprit de glace pour cycler. Poison. Ok, on va prendre poison. Comme ça, on fait un cimetière poison. Machine volante. Magnifique. En vrai, j'aime bien mon deck. Je vous le dis, j'aime bien mon deck. Il me manque peut-être un bâtiment. Putain, je me suis fait battre, les gars, j'ai trop le seum. Merci Emile pour tes 2$ canadiens. Coucou, yo, tous ceux qui viennent d'arriver, les gars. Mais il stream tous. J'avoue qu'il prend du temps à choisir ses cartes. Oh, vous croyez, il fait exprès? Non, si c'est ça, c'est un chien. Si c'est ça, vraiment, c'est pas drôle. Eh, les gars, si vous attendez que je prenne mes cartes pour prendre vos cartes, c'est pas drôle. C'est pas le but du jeu, vous allez me battre, mais... Mais à quoi bon? J'ai envie de fumer sa tombstone là. Ok, magnifique. Hop là. Il a pas le mini PK, frérot. Oh, oh les. Bah ouais, frère, je fais comment là? Bon, en vrai, mais ouais, c'est une blague. C'est un tricheur. C'est un tricheur, les gars, c'est un tricheur. Oh, fais chier. Il a attendu que je prenne mes cartes, c'est un tricheur. Ah ouais, t'as charbonné. Non, mais c'est pas moi qui ai 6600, les gars. C'est je suis en combat contre le clan. Mais qu'est-ce que j'y fais là? Ouais, si, en vrai, ça passe. Je suis en combat contre un mec du clan qui est à 6600. Mais en vrai, là, je peux rien faire, là. En vrai, je peux le fumer au cimetière. En plus, il a mis sa mousquetaire quand je mets mon bébé dragon. Putain, lui, il va me faire chier. Mais wesh. Mais attends, mais il a trop bien défendu là. Et il va gratter aussi. Mais c'est dingue. Tout le monde gratte au séisme. Hop là, toi tu die. Je mets un petit cimetière.
putain, mais mon goulis il va même pas assez loin. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Je place mon goulis n'importe comment parce que je stresse. C'est une catastrophe. Oh, il m'a atomisé. Hein. Bon, mon bouliste il va gratter un peu, mais. Mais il a triché! Non, mais les gars, je suis persuadé, il a triché, c'est un tricheur! Il a triché! Ça compte pas! Je tente un move. Oh merde! Ah! Bon, il m'a fumé, hein. Il m'a fumé. Il m'a fumé, putain. Faut pas rager, Michou. Ouais, non, mais je rage pas, mais voilà, quoi. Non, mais voilà, quoi. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est mort. Eh, est-ce qu'on essaye du super défi? Les gars, vous voulez quoi? Super défi ou tournoi? Super défi au tournoi contre les abos. Sinon après on peut continuer à jouer contre le clan. Eux ils ont l'air chaud. Le clan a l'air chaud pour continuer à jouer. Et attends mais wesh, y a tout mon clan qui est connecté, c'est pas possible. Super défi. Ah vous voulez super défi? Super défi, super défi. Ok super défi, ça part. Je joue quel deck? Ah ouais je jouais ce deck là aussi. Il est trop dard les gars ce deck. Ce deck il est trop fort aussi. Je joue ce deck ou mon deck actuel, genre mon deck Golem Barbare d'élite. Ton deck normal. Golem, celui-là, deck actuel. Golem, ok. Ok, on va jouer mon deck Golem, c'est parti les gars, c'est parti. Golem. C'est chiant que dans ça on peut pas copier-coller les decks, c'est un peu mal fait. Barbare d'élite. Sorcière de la nuit. Reine des archers. En sort j'ai quoi déjà? Putain mais je connais même pas mon deck frérot. C'est une catastrophe, je connais pas mon deck. Archer. Attends, mais attends, j'ai réfléchi un peu là. Armée de squelettes. Bam. En sort. J'ai quoi en sort? Boule de feu. Boule de feu zap. Voilà. Je connais mon deck. Let's go. Magnifique. C'est parti, les gars. C'est parti, mon frérot. Let's go. Je suis contre Link Gamer 234. Allez, là, je joue mon deck que je joue en ladder. On va voir s'il est chaud. Ok, c'est parti. Alors lui, c'est très simple. Lui, c'est boule de feu direct dans sa gueule. Non, mais l'archer magique, s'il est trop bien joué, s'il est bien joué, il est trop fort. Ok, pas de problème, frérot. J'ai la solution. Ok, son barbare il va se faire tuer. Et ben pas de soucis. Nous on va envoyer un push de ce côté là frère. Et bam. Et bam. Et bam le push. En début de game. Oh le bâtard. Ah merde. Ah merde. Bah là il a quand même plutôt bien défendu. Ah merde. Dis-moi que l'électro il passe devant. Voilà. Comme ça j'ai pas besoin de plus. En vrai j'ai bien gratté. Pas besoin de la mettre invisible, dis-moi. Let's go. Et là mon pote a peut faire mal. Hop là. Désolé petit chevalier. Oh le bâtard. En vrai du coup ça a fumé son chevalier hein. Et son chevalier il coûte quand même cher. Donc au final j'ai été rentable. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Oh, trop d'art! Oh, je les ai trop bien posés! Oh là, il y a un barbare d'élite qui part sur la tour!
Oh, il y a un barbare d'élite qui part sur la tour. Oh, la tour qui va tomber. Oh, la tour qui va tomber. Let's go. Ah. Je me suis vite calmé. Désolé, frérot, ça passe pas. Bon, bah là, là, mon pote. Désolé, hein. Là, désolé, hein, frérot. Hein. Mais là, je suis très bien parti, hein. Eh les gars, je vous jure, ce deck il est trop bien. Et en plus, je kiffe le jouer en fait. Il est satisfaisant à jouer. Hop là, on va lui mettre la pression. Oh, il a même pas défendu. Ah, ça y est, il est débordé. Hein. Voilà, il est débordé. Là, les gars, je reconnais. Hein. Je sais reconnaître un joueur débordé. Là, il est débordé. Ok, magnifique. On met la reine ici. Comme ça, hop, on la rend invisible. Ouais, voilà, il a abandonné, il a abandonné. Oh là là, mais mec, mec, je fais rush kit les gens. J'ai un deck, il fait rush kit les gens, frérot. Oh, dommage, j'ai pas trois couronnes. Je voulais le trois coucous. Mais mec, j'ai un deck, il fait rush kit les gens, frère. Mais c'est dingue. Non, mais les gars, on est d'accord que mon deck est trop puissant. Non mais mon deck est trop puissant. Tu joues trop bien. Tu vas être meilleur. Moi mon but les gars, c'est gagner le tournoi d'Inox. Inox il va faire une édition 2 de son tournoi. J'ai envie de la gagner. Attends, est-ce qu'elle va se pousser? Ouais c'est bon. Hop là. Ok. Est-ce que... Bon, il a dépensé pas mal d'élixirs, mais moi aussi. Donc en vrai, je sais pas si je suis rentable. Je vais laisser sa Valkyrie taper. Au pire, c'est pas grave. Elle va mettre peut-être un ou deux coups. Putain, quoique elle a beaucoup de vie, elle. Ouais, mais deux coups. Ah, même pas, mais qu'un coup. Ok, ça va. Hop là. On envoie un golem directement. Let's go. Mec, je suis en fou du golem. Ok, ça va un peu défendre mes squelettes, mais pas. Wesh. Ça a fumé mes squelettes. Bon, en vrai, il a mis qu'un coup, ça passe. En vrai, en termes d'élixir, là, j'ai été grave rentable. Je vous jure, les gars, maintenant, je calcule l'élixir que je dépense. Lui, l'élixir qu'il dépense. Pour savoir si je peux lui mettre des contre-attaques. Si mon attaque, elle valait le coup. Je te jure, frère, je suis dans le calcul. Tympan que l'artificier, elle défend trop bien, frère. Ok, là elle va mourir. Ce serait bien qu'elle meure. Ok, la reine n'en a plus trop de vie. Hop. Ah, ça va pas passer, elle va pas faire de dégâts. Voilà, bien un coup. Oh le. Ok, non, c'est bon. Il a voulu bûcher pour pré-shot l'armée de squelettes. Mais c'est les barbares d'élite qui sont sortis, mon frérot. C'est les. Ah, toi, tu vas vite dégager. En vrai, sachant que les barbares d'élite, ils ont défendu le cochon. Et en plus, ça tape, frère. Il a laissé le barbare d'élite sur sa tour. Est-ce qu'il va rebuche? Oh, le chien. Là, il a géré. Aïe. En vrai, ça va. Et il met un peu la pression. Hein. Le frérot, il cycle vite. Hein. Et il défend quand même très bien mon golem. Hein. Wow. Il a vraiment roquette, là? Oh, là, par contre, frère, il a abusé du bail. Ah, là, je vais lui mettre la pression direct. Là, il a abusé. Toi, tu vas vite dégager. Tu défends trop bien. Ah, oh, dommage, j'ai pas eu ça. Bon, là, on va mettre la pression. Tu crois qu'il roquette ou pas, là? Oh, il roquette, le bâtard. Oh, il y a un barbare d'élite qui est encore en vie. Oh, le barbare d'élite en vie. Et là, tu peux pas roquette ma reine, par contre. Hop, hop, hop. Et ça tape la tour. C'est magnifique. Il va bûcher. Évidemment, pas de problème, c'est défendu et c'est encore une victoire pour le jeune Michou. Merci les gars, merci. Etienne, merci pour tes 10 euros mon ref. Anton, merci pour tes 5 euros. Les gars, c'est quand les défaites là? En vrai les gars, mon rêve c'est de faire 12 victoires en super défi, j'ai jamais réussi. Je vous jure, oh attendez, j'ai des records. Oh mais ça marche pour les couronnes. Ça marche pour les couronnes, les gars. Oh, c'est trop bien. Oh, trop d'art, Limote. Un petit molosse, là.
Oh les super défis les gars, ça fonctionne pour les couronnes, c'est trop bien. Et ben objectif objectif les 30 couronnes hein. Comme ça on a ça, on améliore la reine, on a ça, c'est très bien. Allez, on continue les gars. Est-ce que vous pensez que je peux faire 12 couronnes? En vrai je sais pas. Bonne chance. Vous pensez que je peux faire 12 couronnes ou pas? 12 je peux faire 12 12 victoires. En vrai 12 victoires c'est vraiment très dur. Ok, je me permets de mettre un golem, même si je sais pas son attaque, parce qu'en vrai j'ai l'armée de squelette. Et l'armée de squelette, voilà, en cas d'extrême urgence, elle fait un taf monstre. Regarde frère. Ok, là, sa reine elle va faire un peu mal à mon golem. Mais en vrai c'est pas grave. Il la rend déjà invisible, ok ça passe. Là elle va mourir. Barbare d'élite ou pas? Ça dépend ce qu'il met là. Barbare d'élite. Ah j'ai abusé. Oh. En vrai, mine de rien, tout ce qu'il a mis, ça lui a coûté 4 d'élixir. Le barbare d'élite, il a bien gratté sa mère. Ah j'adore les barbares d'élite frère. Les barbares d'élite, je vous aime putain. Je suis amoureux d'eux. Je suis amoureux des barbares d'élite les gars. Mais arrêtez d'insulter mon deck. Très bien mon deck. Vas-y mets tes cochons, je mets ma boule de feu frère. Là il va faire cochon. Ah mais il a même plus sa bûche en vrai. Ah t'as vu, il voulait pré-shot. Il voulait pré-shot l'armée de squelette. Ah il a trop le seum frère. Oh yes la toile tape. Il va devoir la rendre invisible. Pas de problème, ça gratte un peu mon golem mais elle meurt. Il a quoi déjà pour tuer ma... Ah oui, il a ça. Oh, les chauves-souris, elles ont trop gratté. Et là... Oh là là, et elle reste en vie. Et elle reste en vie. Hop là, on met une reine ici. On va directement mettre la pression. On rend la reine invisible. Il a mis la bûche pour pré-shot, pas de soucis. Je mets l'armée de squelette un peu tardivement, mais ça défend. C'est magnifique, les amis, ce qui se passe. Il a mis un canon ici. Du coup, je me mets un golem là. Oh il a abandonné, mais mec c'est dingue. Je fais abandonner tout le monde. Mais c'est dingue. Tout le monde abandonne frérot. Mais mec j'ai le meilleur deck du jeu frère. Je fais rage quitte les gens. Je fais rage quitte les gens frère. Je suis trop fort. Il a rage quitte gros. Je fais rage quitte les gens. Pourquoi ils abandonnent? Mais parce que je suis trop fort. En fait je suis trop fort. Franck, merci. Je fais trop le mec. Wotop veut te coach. Mais j'ai pas besoin d'être coaché, les gars. J'ai pas. Wotop, Wotop, t'as vu ma game? Elle est où? Est-ce que j'ai fait une erreur dans ma game? J'ai fait aucune erreur, Wotop. Ça sert à rien. Je fais trop le mec. Je fais trop le mec. Les gars, ce soir, je vais être dans mon lit. Je vais jouer à Clash Royale. Je vais faire 10 défaites d'affilée. Je vais faire allo, Wotop? Gros, je comprends pas. Je fais que de perdre. Putain. Ne prends pas trop la coupe. Mais les gars, dites-moi GG au moins. Il y a même plus de GG tellement je fais que gagner quoi. C'est ça le problème, quand tu fais que gagner, les gens ils disent même plus GG. Allez, bonne chance. Bon, il joue pas. Je mets une petite reine, on va mettre la pression directement. Oh là là, le roi squelette. En vrai, le roi squelette, j'ai ce qu'il faut pour défendre. J'ai un zap, j'ai des archères. Tu me taperas pas. Invisible. Eh ouais mon pote, la cape d'invisibilité. Lui je le boule de feu. En vrai c'était peut-être... Ouais c'était clairement pas nécessaire. Parce que ma boule de feu elle était ratée. Donc c'était pas nécessaire. Ok. Ça part sorcière de la nuit. Et on va mettre un golem devant. Oh le bâtard, oh attends. Le pêcheur. Mais oui, le pêcheur. Il va attirer le golem directement sur sa tour. Ah ouais. Allez, attire le golem. Bah oui frérot, y a pas de problème. Il a attiré le golem sur sa tour. Oh le con. Oh le pêcheur, je l'aime. Oh le pêcheur. Oh le pêcheur, je l'aime frère. Il m'a carrément aidé frérot. Le golem qui a bien gratté hein. Ok, par contre là on peut se prendre un contre-push qui peut faire un peu mal. Aïe.
Bah là t'as vu, ça peut faire un peu mal. Ok, un. Quoi? Comment elle est morte? Oh, c'est le combo. Oh, le combo chasseur-pêcheur. Le pêcheur, il a ramené la reine sur, sur lui. Et du coup, le chasseur, quand il est collé, il fait trop mal. Oh, il m'a éclaté, frère. Ah là, là, par contre, là, je me suis un peu surprendre. Là, tu vois, je faisais le mec, là, je me suis fait surprendre. Oh, le bâtard. Ah là, il me l'a mise. Oh, le... Oh, le combo pêcheur-chasseur, c'est trop fort. Le combo nature-pêche-chasse-tradition. Je te jure. Oh, le bâtard, le pêcheur. Là, je l'aime un peu moins, là. Ah là, je sais pas ce que j'ai... Je sais pas ce qu'il y a, mais là, le pêcheur, il me fait un peu plus chier. Par contre, là, mon pote, ça peut faire mal. Putain, mais il défend trop bien. Oh, ça tape. Oh, le bâtard! Est-ce qu'il a des sorts pour finir? Je sais pas. Putain, mais là, j'ai gratté des deux côtés, mais ça suffit pas! Putain, il va m'avoir sur un move, frère. Là, il va mettre le pêcheur. Même pas? Bah, si. Oh, let's go! Oui! Oh, le pêcheur, il a ramené sur... il a ramené la sorcière de la nuit, pas le golem. Le karma. Oh, le... Pourquoi j'ai pas boule de feu la tour, frère? En fait, je voulais boule de feu le pêcheur pour que le pêcheur il dégage et il laisse mon golem tranquille. Sauf que j'avais pas capté la sorcière de la nuit qui allait prendre l'aggro du pêcheur. Oh, la défaite nulle. Oh, j'aurais pu gagner. Oh non, les gars. Bon, en vrai, c'est pas grave. C'est une défaite, mais j'aurais pu gagner. Genre, c'est une défaite qui m'améliorera dans le futur. Allez hop, je mets un golem directement, c'est parti. Mets-moi un cochon, j'ai une armée de squelettes. Bah vas-y, hein, mets-moi une princesse. Ok. Par contre, j'ai pas la sorcière de la nuit pour accompagner, là, ça fait chier. Je sens que lui, c'est un deck... Ok, il a un deck lockbait ou un deck pour cycler, je sais pas quoi, machin... Hop là, la reine elle devient invisible. Ciao la Valkyrie, ciao la Tesla. Putain, il a bien défendu quand même. Mais gros, il a trop bien défendu. Mais j'avais pas encore ma sorcière de la nuit. C'est pour ça. C'est moi, AK Killer, trop content d'avoir joué contre toi. Mais tu m'as battu. T'aurais pu me laisser gagner. GG, GG. Putain, je suis deg. Attends, je vais avoir assez d'élixir pour mettre le golem, sachant que j'ai zap là. Oh non. Ma sorcière de la nuit qui part toute seule. Aïe, 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 le golem qui arrive trop tard. Oh, c'est bon, il est bloqué. Non. Non. Oh là, là, j'ai envoyé un golem suicidaire. Là, ce que j'ai fait, c'est 0 IQ. J'ai fait un move 0 IQ. Elle, elle me rend fou. En vrai, les archères qui grattent un peu. En vrai, ça passe. Il a mis beaucoup d'élixir pour défendre. Ça passe. Mes barbares d'élite, ils passeront pas. Parce qu'il a trop de trucs pour cycler. Mon armée de squelettes, elle a bien défendu. Putain, il la place bien, sa princesse, hein. Oh, le chien. Vas-y, mets ta Valkyrie sur ma sorcière de la nuit. Comme ça, les barbares d'élite vont faire un... Oh, le bâtard, il a trop bien placé sa Valkyrie. Oh, par contre, là, il m'a offert une friboule de feu.
La petite archère qui gratouille. Putain. Attends, mais là c'est... Mais mec, en vrai le combat est trop serré par contre. Ok, là l'armée de squelettes était mieux placée déjà. Là il va princesse, non? Je suis con d'avoir mis le golem aussi loin. Bon, j'envoie un barbare d'élite au casse-pipe. Au moins il a mis sa Valkyrie. Non mais là il va la recycler, c'est sûr frère. Attends, il va me gratter au sort là, tu vas me dire? Non, là il est trop gourmand, Vas-y, mets ta Tesla. Là il est trop gourmand frérot. Oh, il a été trop gourmand. Oh, il a été trop gourmand. La punition. La punition du golem. Et ouais, là tu peux plus attaquer frérot. Et ouais frérot. Aïe 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 aïe. La victoire. La victoire pour le joueur français. Comment ça tu rages frérot? Comment ça tu rages frérot? C'est toi t'as un cancer. Je suis trop agressif. Les gars, je suis trop euphorique, je suis trop content. Je suis trop content. 4 victoires. Allez. Les gars, logiquement, 4 victoires, une défaite. Si on refait la même chose, si je refais 4 victoires, une défaite, 4 victoires, une défaite. 12 victoires. Et 3 défaites. Donc il faudrait 12 victoires et 2 défaites. C'est parti. Allez, c'est parti. Ça ferait 12-3. Oui, 12-3, ça marche pas. Donc, faut 12-2. Putain, c'est vrai qu'il faut 12-2. Si j'ai 3 défaites, ça arrête. Allez, mon pote. En vrai, on dit on a le droit à 3 défaites. Mais on a le droit qu'à 2 défaites, en vrai. Parce que dès que t'as 3 défaites, tu peux plus jouer. Oh, j'aurais du barbare d'élite. Comme il avait mis un molosse pour lui mettre la pression. Ah là j'ai mal joué les gars. Mais attends, je rêve ou ça fait un taf? Mais attends, ma défense sur le molosse, elle était inexistante. Et ça a trop bien défendu. J'ai défendu le molosse avec une sorcière de la nuit et des archers. Oh le ballon fond. Ok, là il va molosse ballon. Qu'est-ce que je fais? Faut fumer le ballon. Dis-moi que... Let's go. Bah son ballon il est mort. Hein. Ok, bah son ballon il est... Ah il a tapé. Il a tapé, j'ai pas le zap pour le dragon de l'enfer là. C'est pas grave. Ça fait mal. Ah dis-moi que la sorcière de la nuit a... Putain. En vrai je suis confiant. J'ai pas hyper bien commencé le combat, mais en vrai, je suis confiant. Ça sent la défaite. Ah ouais, vous pensez? Les parents, son ballon fond de map tout seul, j'ai pas compris. Donnez-moi un molosse. Oh, let's go! Oh, let's go! C'est parfait. Oh, le chien. Putain. J'ai pas été rentable du tout là. Là il va mettre un ballon frérot, je suis dans la merde. Aïe aïe aïe. Oh la belle boule de feu. Oh là là, elle est magnifique la boule de feu frère. Attends, le ballon a tapé ou pas? Je crois que le ballon a pas tapé. Putain, la boule de feu elle a fait un sauvetage frérot. Ok, il va falloir se rattraper. Il renvoie un molosse, pas de problème. S'il met les gardes. Putain, lui il me fait chier. Oh le bâtard. Il a mis les gardes, mais vas-y, j'ai plus d'élixir en vrai. Je voulais dire, s'il met les gardes, je mets les barbares d'élite, mais là j'ai plus d'élixir, frérot. Allez, fume les mini-molos. Faut pas que ça gratte. Là on peut mettre la pression par contre. Il va boule de feu, non? Oh là, il est dans la merde, frère. Oh, le golem directement sur sa tour. C'est fini. C'est fini.
Nice. Nice. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit ou pas? Je suis confiant. Eh les gars, 5 victoires hein. C'est pas mal hein. En vrai là, j'ai 5 victoires, une seule défaite. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Mais en général, moi je vous le dis, c'est à 7 victoires. 7 victoires, j'ai jamais réussi à aller au-dessus. 7 victoires, frère, il se passe un truc, t'es que contre des joueurs pros. Je te le dis. Un combat serré mais qui se solde sur une victoire, GG. Putain, j'ai des commentateurs dans le chat. Un combat serré qui se solde sur une victoire, carrément, frérot. Y a personne là? Ah. On est contre Sam Six qui a pas de clan. Sam Six, si tu me bats, je t'invite dans mon clan. Il me connaît même pas. Comment ça, il rigole? Ok, il zappe. Je suis dans la merde, frère. Il m'a zappé. Ok. Oh, le zappi. Aïe, aïe, aïe. Eh, le zappi, les gars, je vous jure, je sais pas jouer contre le zappi. C'est une des rats, c'est une des cartes que j'arrive pas à défendre. Pourtant, j'ai un zap, hein. Pas trop près. Deux fois, je veux bien, pas trois. Tu vois, je pense que là, j'aurais pu mettre mon zap un chouille plus tard. Mais je sais pas faire. Mon armée de squelettes, elle est arrivée beaucoup trop tôt. Oh, sa mère. Aïe. Là, je suis dans la merde. Ah! Je vous dis, j'arrive pas, le zappi. Putain, les archers, elles grattent, hein. Ok, ça passe. En vrai, ça passe. Armée de squelettes sur le zappi. Ouais, mais voilà, c'est ça le problème. Ok. Le golem, il va tank le zappi. En fait, j'ai pas assez d'élixir, là. Là, il va falloir que je le zappe. Parce que sinon, il va fumer le golem. Et... Bah, attends, c'est une blague, là. Là, le problème, c'est qu'il va me zap mon armée. Bah ouais, frère. Mais comment? Mais attends, mais c'est pas possible, frérot, il cheat. Oh, la boule de feu trop mal placée. Ah. Mais frère, il cheat, gros. Mais il a trop d'élixir, frère. Il met zappi. Mais gros, il a un milliard de trucs. Il met zappi, barbare d'élite, prince ténébreux. Comment tu peux mettre autant de trucs? C'est une blague, là. Et là, on essaie de voir d'élite. Pas de problème. Oh, je savais. Est-ce qu'il va pouvoir défendre les miens? Oh, il peut pas défendre les barbares d'élite. Oh, il peut pas défendre les barbares d'élite. Allez, mon pote. Dis-moi que je pense à tour. Ok, je pense à tour. Oh, il a trop le seum. Aïe, aïe, aïe. Wesh. Une blague. Et il va zap. Mais comment ça il a tout ça lui? Aïe! J'arrive plus les gars! Bah c'est mort. Et je vous jure les gars, je voulais cycler ma reine des archers, la mettre au milieu, activer son pouvoir et j'aurais pu l'atomiser. Enfin la reine des archers, elle aurait peut-être pris sa tour. Mais mec il a... Oh non j'ai trop ce... T'es trop confiant. Non là j'étais pas confiant du tout. Dès qu'il a posé le zappi j'étais plus confiant frère. Oh j'ai trop le ce... T'as mal joué. En vrai je pense que ouais j'aurais pu mieux jouer. Mais qu'est-ce que je branle là? J'aurais dû mettre un golem là. Mec mes barbares d'élite je les dégaine trop facilement. Je les dégaine trop facilement. Après, peut-être que ça peut faire mal, hein. En vrai, ça a l'air de lui casser les couilles. En vrai, ça l'a bien saoulé, hein. D'accord. Est-ce que t'as quelque chose? Bon, les chauves-souris, elles ont bien carré, mais... Ok. La reine, elle était en trou. Bon, il va falloir envoyer un golem. J'ai envie d'envoyer un golem. Je vous le dis, je veux envoyer un golem.
Lui il a pas un deck qui va me surprendre. Hop là. Oh le bâtard, il l'a mis au trop bon moment. Sa boule de neige elle a niqué mon pouvoir. Après la boule de neige elle coûte 2, le pouvoir il coûte 1, c'est random. Aïe. Putain. Il va faire mal là le géant. Après, pour l'instant, ok, je vais laisser le géant taper. Il a utilisé beaucoup d'élixirs. Dis-moi que le géant il laisse ma tour à 500 PV. Ok, ça passe. J'active sa tour du roi les gars, c'est un choix. Parce que de toute façon je prends sa tour. Voilà. Ça change rien en vrai. J'active sa tour du roi mais ça change rien. Mais là il est dans la merde hein. Mais là il sait pas mais il est dans la merde hein. Bah poteau, je vais aller lui mettre la pression hein. Aïe. Non. Ok. Ok. Bah les gars, en vrai je vais lui laisser ma tour de droite. Et ça va, enfin, lui laisser, c'est un grand mot. Mais ça va jouer le 3 coucou hein. Abuse pas frérot. Allez mon pote, allez golem. Tu peux le faire. Le 3 coucou. C'est bon, j'ai plus qu'à bout de feu les gars. Calme, calme, j'ai plus qu'à bout de feu. Allez frérot, désolé. Attends mais, j'ai combien de cartes dans mon deck? Allez où ma boule de feu? Non désolé frérot, calme. Attends il me fait peur là. Attends il me fait peur parce que le mini PK il fait mal hein. Ok c'est bon. Il a commencé à me mettre la pression. Putain. Ok les gars, 6 victoires, 2 défaites. En vrai, ça, en vrai c'est un très bon ratio. En vrai quand je fais 6 victoires, 2 défaites. Enfin même quand je fais 6 victoires et 3 défaites, je suis très content. Mais frère, les 12 victoires j'y arriverai jamais. C'est quoi ton jogging? Il est trop beau. Frérot, c'est écrit en gros. Tu reconnais le swoosh? Ok. Non là c'est trop dangereux de mettre un golem. Parce que là le problème si je mets un golem, c'est que toutes mes autres cartes, c'est Barbare d'élite qui coûte 6, la reine qui coûte 5. Mais là j'aurais pu mettre un golem du coup comme il met un géant. Mais en vrai pas grave. Je vais défendre son géant. Là, aïe aïe aïe. Ok elle reste. Oh elle a même pas pris un coup. Oh je suis trop content. Le géant il va prendre cher. La mousquetaire elle meurt. Attends mais là il y a un truc qui lui arrive sur lui là frérot. J'espère qu'il est prêt hein. Oh là il y a un. Mais là il y a un bus qui arrive frère. Bon bah adieu la tour hein. Oh bah là frérot, le combat ne pouvait pas mieux commencer. Bah attends mais je vais aller le 3 couronnes hein. Oh il a trop le feu. On a trop le feu. Ça s'arrête jamais frère. Bah là je vais le 3 couronnes hein. Bah là frérot. Mais attends mais frère, ce que j'ai envoyé à la base c'était de la défense. À la base je défendais juste son géant. J'ai failli prendre de... j'ai failli le 3 couronnes. Il a pas abandonné hein. Mais là je pense qu'il est dégoûté. Et en vrai de vrai les gars, je pense que là il a trop la haine contre moi. C'est bon, laisse le géant, toi. Oh là là. Mais gros, j'ai encore mis la reine invisible pile au bon moment, frère. J'avais pas envie de boule de feu la sortir. J'aurais peut-être dû. Hein. Ah, j'aurais... Bah, c'est bon, j'ai gagné. Trop facile. Trop facile. Trop facile, les gars. On a à peine eu le temps d'arriver en double élixir. Ok, je suis à 7 victoires. Putain, je suis à 7 victoires, frère. Aïe, 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 mon record. Mon record, j'ai jamais fait plus, putain. Oh.
100% de batterie, c'est la merde. Ok. Attends, juste pour voir le mec que j'ai battu, il avait combien de trophées? Mais attends, j'ai battu un monstre? Wesh, il a fait une saison à 7000, frérot. Mais gros, je l'ai mis. Mec, lui, je lui ai mis une branlée. Lui. Mais wesh. Mais. Oh. Mais attends, mais il a fait une saison à 8000, gros, je l'ai atomisé. Lui, celui qui m'a battu. Il est fort, mais sans plus en soi. Il est fort, hein, mais. Mais lui, j'aurais pu le battre, mais vas-y. Ok, lui, normal. Ok, lui, ok. AK Killer, putain, il m'a battu alors qu'il a beaucoup moins de trophées. 6000. 5300, ok. Putain, en vrai, je me bats quand même contre des gens chauds. Hein. Allez, les gars. 7 victoires, 2 défaites. Putain, si je réussis cette game, je bats mon record officiellement. Road to joueur pro. Venez, je lance une série de vidéos sur ma chaîne. Je l'appelle Road to joueur pro. Et frère, je trouve même plus d'adversaire à mon niveau. Il n'y a plus d'adversaire à mon niveau. Je n'arrive pas à trouver un adversaire. C'est comme la Coupe de France, une petite équipe peut en battre une grande, c'est beau. Ouais. T'as plus de batterie, mais c'est en train de charger, mais le problème c'est qu'elle se décharge plus vite qu'elle se charge. Du coup, là, elle va tenir encore 4 combats, je pense. Ok, on est con. Wesh. Mais attends, mais il est dans mon clan, lui. Il a créé un clan Michou. Mais attends, est-ce qu'il va essayer de me... Oh, il va essayer de me battre. Oh, c'est un mec de mon clan à la base. Mais il a créé un clan Michou. Oh, il m'a streamac, je suis mort. S'il te plaît, laisse-moi gagner. Oh, let's go, les barbares d'élite pile quand il met le molos. Oh, ça peut faire mal. Dis-moi que la reine, je peux la re-rendre invisible. Non, c'est mort. Oh, les barbares d'élite qui prennent à tour. Magnifique, la reine qui a bien gratté de son côté. C'est très beau, les gars. C'est très beau. On assiste à un début de branlée. Mais le problème, c'est que lui, il connaît mon deck. Oh, la boule de feu là, comment elle est belle. Oh, comment elle est belle. Oh, comment. Aïe, ça fait mal ça. Attends, il y a trop de molosses là. La machine volante derrière, faut la tuer. Putain. Bien joué, franchement, bien joué. Le clone, je m'y attendais pas. En vrai, je suis bien. Mais laisse-moi gagner. Non, en vrai, je peux pas, en vrai. En vrai, c'est bien qu'il me laisse pas gagner. Mais j'avoue, j'aimerais bien. J'aimerais bien, frérot. J'essaye de battre mon record. J'essaye de... Mec, si je me fais battre par un streamhack, je pleure. Mais en vrai, les barbares d'élite, c'est trop fort. On parie combien? Il va me la foudre. C'est sûr, il va la foudre. Oh le chien. Oh fait chier, il en... Aïe aïe aïe. Invisible. Let's go. Allez, fume le bûcheron. Et les molosses. Magnifique. Ah mais il prend ma tour hein. Ok, en vrai j'ai l'avantage. Mais j'ai l'avantage. Mais pour de vrai je suis pas confiant. Parce que il est quand même plutôt bon. En fait j'ai l'avantage. Mais depuis tout à l'heure il me rattrape. Là je sens qu'il va envoyer un contre-push frérot. Son clone il l'a mis trop tôt non? En vrai là il a plus de tour. J'ai juste à bien défendre. Merde. Pourquoi je l'ai pas mis invisible frérot? Je suis trop con. Ok c'est bon, il y a la tour. Oh le bâtard. Ah j'aurais dû zap. Pourquoi j'ai pas zap? Pourquoi j'ai pas ça, frère? Oh, j'ai trop mal joué, gros. Oh là là, et là, j'ai mal zap. Oh là 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 là, les gars, c'est une catastrophe. J'ai trop mal joué. Il me laisse gagner? Mais non. Jure, il me laisse gagner, frère. Oh, il est trop gentil. Oh, il est trop gentil!
Parce qu'en vrai j'aurais peut-être pu le battre, mais là j'avais la pression. J'ai mon record. J'ai mon record. J'ai mon record. Je suis un tricheur. Non. Mais non. Une victoire qui a quand même un goût amer. Ouais. Bah en fait, en soi il suffisait que je zappe. Sauf que j'ai trop regardé. Je sais pas pourquoi j'ai pas zappé. J'ai regardé ce qui se passait. Donc il suffisait que je zappe. Et vas-y, je l'aurais peut-être battu. Donc j'avais fait une erreur de merde. Mais attends, il m'a laissé gagner. Mais par contre, on est d'accord, c'était un mec qui était dans le clan. Il a quitté le clan il y a pas longtemps. Mais je suis persuadé qu'il était dans le clan avant. Merci le sang. Oh non, j'ai gagné grâce à un stream hacker. Oh là 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 là, t'aurais pu gagner. Ouais, j'aurais pu. Putain, mais il est trop chaud en plus, lui. Mais non. Thunder Harris, il a quitté, je suis deg. Putain, c'était un mec, il était dans le clan depuis grave longtemps. Il y a des mecs qui quittent le clan, je suis dégoûté. Ils quittent comme ça. Les mecs qui sont là depuis un mois, ils font allez hop, quitter. T'es monstrueux vraiment. Oh, il est trop gentil. J'étais là, oui. Oh, le boss. Le boss. Putain, il a dit que j'étais monstrueux. Il a dit que j'étais monstrueux. Mais après, je sais pas s'il m'aurait battu à la fin. Vous pensez qu'il m'aurait battu à la fin? On saura jamais, les gars. On saura jamais. Hop, on va demander un peu de la fournaise. Putain, c'est un crack. Rien que pour ça, allez, hop, t'es aîné. Allez, c'est bon. Allez. Bon, les gars. Allez. 8 victoires. C'est le record. Putain, mec, il manque 4 victoires. Et après j'ai un badge. Quand t'as réussi 12 victoires en super défi, t'as un badge. Putain. Vous pensez que je peux le faire ou pas? Allez les gars. Ok, lui c'est un gros joueur. Il a l'emote du molos étourdi. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de games en ce début de saison. C'était sûr frère. On s'est rendu... Oh! Je l'ai rendu invisible un peu après et du coup je l'ai bien gratté. Ok, j'envoie un golem directement. Pas de soucis, il y a la boule. Oh dommage, j'ai pas eu son petit esprit de feu là. Mais la boule de feu qui fait un bon taf sur les petits cochons. Les 4 petits cochons. On envoie la sorcière de la nuit qui peut faire mal. Le zap au cas où s'il a un dragon d'enfer ou une TDE. Il a un canon. Le canon en vrai les gars, il est sous-coté à mort. Dans le sens où... En fait il est beaucoup joué mais en fait il est vraiment trop fort. En fait il a l'air nul comme ça quand tu le vois, mais il est vraiment trop fort. Oh, la sorcière de la nuit qui va faire très mal hein. Elle a bien gratté ma petite sorcière là. Là il va pouvoir re-rendre sa reine invisible. Alors le but, la rendre un chouïa après. Ok, je l'ai rendu trop tôt. Sa reine elle va fumer ma reine. Putain j'ai le seum. Par contre j'ai bien défendu les cochons. Ok. Les gars, pour l'instant c'est plutôt pas dégueu. C'est un bon début de game. Les cochons en soi, j'ai l'armée de squelettes pour les défendre. Wesh déjà. Mais attends gros, c'est une blague. Mais attends, mais c'est un cheater. Mais attends mais frère, il a cyclé. Attends mais il a cyclé trop vite. Après j'avoue il a esprit de feu, bûche, squelette et un autre truc. Attends mais c'est abusé comment il cycle vite. Je pense que là je vais les défendre avec les barbares d'élite les cochons. Ah, il a voulu pré-shot l'armée. Il a voulu pré-shot l'armée. Mais là je les défends avec les barbares d'élite parce que là, là du coup, il a un rush qui arrive des deux côtés. Il y a une petite pression, tu vois. Ouais, là, il est mort. Là, mon frérot. Là, mon frérot, je suis désolé, hein. Bien joué. Putain, il défend. Hein. Attends, mais j'ai rien dit, là. Ah, la boule de feu qui arrive tard. Non, ça va. Elle, faut pas qu'elle me... Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Putain, elle gratte quand même. C'est bon.
Mais wesh. Mais arrêtez de changer. Oh, c'est bon. 9 victoires. Oh là 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 là, les gars. On est tellement loin. Eh, par contre, on va avoir un coffre. On va avoir un coffre pour 100 gemmes. Hein. On va avoir un coffre, frérot. Ouf, allez. Encore 3 victoires, les gars. Fais gaffe que la tablette s'éteigne pas. Putain, j'avoue, la 3%. Venez, les gars, on parle un peu. Venez, allez, on fait une petite pause. C'est la pub. C'est la pub. Let's go. On va parler un petit peu. Histoire que la tablette reprête de son énergie. Carrément, je vais la débrancher du stream et je vais juste la brancher pour qu'elle charge. Comme ça, elle va charger plus vite. Voilà, la tablette est en train de charger, les gars. On fait une petite pause tranquillement. Les amis, on est à 9 victoires. J'ai plus le droit à l'erreur. C'est chaud. Ça, c'est chaud. Putain, j'ai plus d'eau. Bah, vous savez quoi, je vais aller chercher un peu d'eau. J'arrive dans 2 minutes. Ça a été ta prise de sang? Ah ouais, je vous ai pas expliqué. Bah, je vais vous expliquer. Bam! Bao! Let's go! Les amis. Alors attendez, go troll, arrêtez de me troll. Putain, il y a encore qu'à 3%. En vrai, 3% là, c'est pas assez. Hein. J'ai fait une prise de sang aujourd'hui, c'est vrai! Les gars, ma prise. Regardez, j'ai un petit. Est-ce que vous le voyez? J'ai un mini point de sang. J'ai un petit point rouge là. Un tout petit point rouge. Mais en vrai, la prise de sang, en vrai de vrai, j'étais un peu stressé. Je vous dis la vérité. Le moment où j'étais en mode, tu sais, j'ai été voir l'infirmière et tout, machin, ouais, je vais faire une prise de sang et tout. Elle m'a dit, suis-moi. Je lui ai donné les papiers. Elle m'a dit, ok, suis-moi. On va aller faire ça tout de suite. Là, j'ai commencé à avoir la petite pression qui monte en mode. Parce que moi, j'ai jamais fait de prise de sang. Mais en fait, c'est rien. En fait, une prise de sang, en vrai, c'est tranquille. En vrai, c'est tranquille, c'est rien. C'est pas grand-chose. Par contre, par exemple, don du sang, bah, c'est... T'as vu, c'est un peu plus... Tu vois, je pense que... Je crois qu'après, il faut manger ou quoi que ce soit parce que, tu sais, tu peux avoir un peu la tête qui tourne parce qu'on te prend quand même beaucoup de sang, tu vois. Mais prise de sang, ça va. C'est juste, on prend un peu de sang pour analyser. Alors que don du sang, bah, tu donnes du sang. Donc là, forcément, tu prends plus de sang. Mais ouais, moi, j'avais un peu peur, moi. Moi, j'avais un peu peur. Moi, j'étais en mode, attends, prise de sang, frère, j'ai jamais fait de ma vie, machin. Mais en fait, c'est tranquille. En vrai, ça fait un peu, ça fait mal, mais ça va. En fait, c'est une douleur. En fait, la douleur est chiante. Dans le sens où tu sais ce qui se passe. Parce qu'en vrai, ça fait un peu mal. C'est, mec, je te jure, on te pince comme ça, ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal qu'un petit pincement comme ça, tu vois. Sauf que tu sais ce qui se passe. Et du coup, c'est un peu... T'as vu, c'est un peu... T'es en mode... Vivement que ça s'arrête là. Elle est en train de m'enlever mon sang. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre... Ça fait pas trop mal. Mais comme tu sais qu'on te prend ton sang, bah ça fait mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est dans ta tête en fait. Dans ta tête tu te dis, ah c'est horrible, arrête. Mais en vrai ça va. Et ouais, du coup je suis en train de parler avec la pharmacienne. D'un seul coup je sens... Ouh, je sens que ça commence à me rentrer dans le corps là. Je fais... ça va un peu profond. Ça commence à tirer. Je me dis, ah, t'es en train de prendre mon sang là. On était en train de parler à la base. À la base on parlait et tout. Elle m'avait reconnu de danser avec les stars. Donc on parlait de danser avec les stars. Et là, frérot, comme ça, elle dit pas bonjour, elle prend mon sang. Frérot, calme-toi, dis bonjour et dis-moi que tu vas prendre mon sang. Enfin, j'en sais rien. Là, elle est là, ouais, du coup, danser avec les stars. Hop là, grosse aiguille dans le bras. Ouais, quand même. C'est pourquoi, eh, vous m'avez fait trop rire, les gars. Vous m'avez fait trop rire.
Parce que j'ai dit que je faisais une prise de sang et j'ai eu plein de messages en mode ah ouais, t'es comme ça, coquin et tout machin. Je tombe, mais qu'est-ce qu'il me parle? Parce que moi à la base, je fais une prise de sang, c'est pas du tout pour ça, hein. Ça a rien à voir, les gars, ça a rien à voir. C'est en rapport avec, je vous jure, c'est ma banque qui veut que je fasse une prise de sang. En gros, c'est bizarre, mais c'est ma banque, ça a rien à voir, du coup, à la base, ça a rien à voir. Et les gens étaient en mode ouais, t'es un coquin, machin et tout. Du coup, je me suis dit, mais comment ça Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi le rapport là? Je comprends pas, je fais une prise de sang, comment ça je suis un coquin, machin? Et en fait, bah oui, parce qu'en fait, pour faire des dépistages et tout, machin, pour les MST, faut faire une prise de sang. Et du coup, c'est comme ça que tu sais si tu peux faire l'amour sans capote. Et du coup, tout le monde était en mode, ah ouais, ok, la Saint-Valentin, ça va se mettre bien. Vous êtes des gamins, Vincent Masson, t'es 5 euros. Merci Xavier, 10$ canadien, voilà de la force pour ton défi. Allez les gars, putain, mais la tablette elle charge pas, frère, elle est à 4%. Elle est à 4%. Faut attendre qu'elle charge, mais elle est qu'à 4%. On attend 5 minutes. Dans 5 minutes ça devrait aller. Mais en plus j'étais dans un bon mood, je jouais plutôt bien. J'ai pas envie de faire n'importe quoi là quand je reprends. Ta story où tu fais genre de t'écrouler m'a fait beaucoup rire. Ah ouais? Vous avez vu mon TikTok qui est sorti là ou pas? Vous avez vu ou pas? Attendez, je vais aller voir un peu. Je vais aller voir les commentaires de mon TikTok. C'est une OP. C'est une OP McCain. Mec, en vrai, c'est Gizzy qui a fait le son. Il est trop dard le son. J'ai utilisé le son pour faire une cabane à New York. Ok. Ok. Je déteste les pubs, mais ça ne change rien au fait que ce mec est incroyable. Bah merci mon ref. Bah je suis... Putain, il a dit que j'étais incroyable carrément. Bah merci mon ref. Je reviens demain voir si mon com a percé. Eh, les gens qui disent ça, ils sont trop chiants. Mes TikTok, dans tous mes TikTok, le top commentaire, c'est ça. C'est... Dans 2 heures, j'aurai percé. Je reviens demain, j'espère que j'aurai percé. Eh wesh les gars, faut percer avec un truc. Dites un commentaire intéressant et là vous percez. Plutôt que percer en disant j'espère que j'aurai percé. Mec, c'est trop nul de percer pour percer. Je sens la nouvelle trend arriver. En même temps que j'écris le commentaire, je reçois une notif comme quoi il fait un live Clash Royale. Ah ouais, bah ouais. J'avoue, j'ai lancé le live juste après le TikTok. J'attends que mon com perce, je reviens demain. Alors, lui, je réponds. Ta gueule. Tu m'as donné trop faim. Toujours aussi un MDR. Ok, bah les gens qui font mon TikTok, ça fait plaisir. En vrai, là, j'ai... Les gars, j'ai traîné sur TikTok. Là, j'ai eu 3 autres idées, là. Là, j'ai 3 idées de TikTok. Je vous jure, ils sont trop bien. À Calais, c'est chaud avec les CRS, mortiers, fumigènes, etc. Et à quoi? Il se passe quoi, les gars? Eh, mais vous savez que moi, je suis trop déconnecté du monde, hein. Eh, je suis trop déconnecté du monde. Tout ce qui se passe dans le monde, moi, je suis au courant de rien, frère. Mec, je suis au courant de rien. Eh, des fois, on me dit, t'es pas au courant, nouveau pass sanitaire, machin. Je suis là, je suis en mode, ah bon? Ok, moi, j'avais une dose. Enfin, je comprends pas. Enfin, je sais pas, c'est quoi le... on est où, là? Du coup, il y a quoi? Merci Justine pour tes 2 euros. Merci, on est venu de Normandie pour te voir. Comment ça, Justine? Je t'ai croisé devant Web. Etienne, merci pour tes 5 euros. T'es au courant pour la Russie et l'Ukraine? Il y a quoi, la Russie et l'Ukraine? Ukraine vs Russie. Il y a quoi? Je suis au courant de rien. Je suis au courant de rien. Troisième guerre mondiale. Arrêtez, wesh. Vous êtes pas drôle. La guerre. Ah non, pour de vrai? Ah, mais c'est pas une blague. Possible guerre. Une guerre se prépare. Ah, mais c'est pas drôle. Je crois que c'est une blague. Par contre, oui, c'est réel. Attendez, je rigole de nerf là.
Attendez, attendez. Le Grand Gilet avait une vidéo sur Ukraine vs Russie. Les gens ils disent ça comme si c'était un combat de boxe. Ukraine vs Russie. Attendez, attendez, attendez. Ukraine-Russie. Putain, j'ai rien suivi, frérot. Ukraine-Russie 2022. Mais on est où là? Tension militaire et diplomatique. Non, on est dans la merde. Mais on est dans la merde. Mais pourquoi? Il se passe quoi en fait? Pourquoi ils veulent faire la guerre? Eh, hey, faites l'amour, pas la guerre. Pourquoi ils veulent faire la guerre? J'en ai marre de ces pays qui veulent faire la guerre. J'en ai marre. Troisième guerre mondiale, la France va sûrement aider l'Ukraine. Oh ouais frère. Mais moi je suis pas chaud. Il faudra que tu ailles combattre. Imaginez, imaginez les gars, demain je reçois un courrier. Vous êtes demandé au front, machin. Mec, je pleure. Hein. Non, arrêtez parce que là on rigole, mais c'est pas drôle. Le Covid, quand il est arrivé, on rigolait de la même manière. On disait, hey, imaginez, ah, va falloir mettre des masques. Hey, imaginez, on doit rester tous chez nous. Bah, c'est arrivé. En vrai, j'ai trop peur. Moi aussi, j'ai trop peur. Inutile de trop s'inquiéter sur un sujet qu'on maîtrise pas. C'est vrai. Lui, il a raison. Lui, il a raison. Le gobelin va se battre. Et moi, les gars, je peux aider, mais que sur Clash Royale. Sur Clash Royale, peut-être que je peux être un bon soldat, mais c'est tout. Au pire, venez, on fait la guerre sur Clash Royale, les gars. Venez, on fait la guerre sur un jeu vidéo, c'est pareil. Sauf que personne meurt. Mais on fait la guerre sur un jeu vidéo. Celui qui gagne la guerre dans le jeu vidéo a gagné. Ouais, on fait une simulation de guerre. On fait une fausse guerre en simulation. Donc on envoie le nombre de soldats, machin, mais en simulation. Celui qui a gagné la simulation de guerre a gagné la guerre. Plutôt que tuer des gens. C'est mieux, frère. Les gars, vous êtes d'art, non? J'ai une putain d'idée. Pourquoi il faut tuer des gens pour dire j'ai gagné? C'est nul. Tu seras général de l'armée française de Clash Royale. Non, il y a des gens meilleurs que moi. Je serai un soldat, moi, c'est tout. On est à combien, là? 5%, putain. 5% de batterie. Ça charge pas. Hein. Ferme la tablette, ça va aller plus vite. Mais elle est éteinte, là. Enfin, elle est pas éteinte, mais elle est en veille, quoi. Baisse la luminosité. En vrai, 5%, ça passe. 5%, les gars, on peut faire 5 combats. Moi, je pense qu'on peut jouer, hein. On reprend ou pas? Tu nous feras des vlogs. Mais... 24 heures en guerre. Mais vous êtes des fous, vous. La posture, garçon, c'est pas digne d'un gentleman, mes frères. Frère, c'est ça les postures des... C'est ça les nouveaux gentlemen. Les nouveaux gentlemen, ils s'installent comme ça, frérot. Moi, je t'explique. C'est comme ça, les nouveaux gentlemen. Merci, Dylan, pour tes 2€. J'ai le Covid, je pars pas, moi. Merci, Katsulio, merci pour tes 10€. La Russie veut récupérer ses terres qui sont maintenant à l'Ukraine. Ah, mais c'est vraiment une question de territoire. Frère, les guerres territoriales. C'est nul. Ça fait flipper, la guerre. Ça fait flipper, frère. Bon, changement d'ambiance. Allez, on reprend Clash Royale. Allez, let's go. Let's go. Allez, venez, on s'amuse, c'est un peu mieux. Putain, venez. Vous voyez, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis déconnecté du monde réel. C'est pour ça, je ne regarde aucune information, gros. Ça rend dépressif. J'en ai marre. Allez, c'est parti. Purée. Bam. Merde, je me suis trompé. Voilà, c'est mieux. Oh, y'a pas le son. Putain, à chaque fois y'a des bugs de son. Hop là. Tac. Tac. Clash Royale. Le son va revenir. Let's go. Vous allez voir l'écran.
Hop là. Merci mon pote. Hop là. Les gars, on est palier 23. Bon, le palier 30, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive, ça arrive. Allez, 9 victoires, 2 défaites. Putain, les gars, il faut pas perdre. C'est parti. Il faut pas perdre, s'il te plaît. Oh bordel, on est contre qui? On est contre Stronger. C'est un son de Daft Punk, ça. Allez, c'est parti. Archer fond de map. Ok, il envoie le roi squelette. Pourquoi pas? T'envoies un champion, j'envoie un champion. J'aime pas les gens qui jouent roi squelette, parce que roi squelette, je trouve que c'est une carte skillée. C'est une carte que tu joues quand tu sais jouer. Ok, là, la remise sorcière, je mets l'armée de squelette de ce côté-là. Aïe! Oh, l'espoir est en vie. Ok, on envoie un golem. Ah mais j'aurais joué la boule de feu la mamie sorcière. Pourquoi je n'ai pas boule de feu en fait? Pourquoi je n'ai pas boule de feu la mamie sorcière au lieu d'envoyer une armée de squelettes à droite? Là j'ai envie de boule de feu. Voilà. Oh le con. Oh ça passe. Oh j'ai eu peur. Là elle va être relou. Mais c'est bon. Elle focus le golem. Oh le bâtard. Attends non, en vrai les gars là, ça va être la merde. Oh là là, elle transforme tout le monde en cochon. C'est une blague là. Putain. Les gars, ça va être pas très simple cette game. Putain, il a bien gratté. Putain, mais t'as vu là, j'ai que ma boule de feu. Je peux rien faire, frère. Fais chier quoi. Mais il fait exprès que pour que je boule de feu et après il envoie sa mamie. Oh le chien. Oh, il va envoyer la mamie derrière. Oh le chien. Mais il va me fumer là. Et il lui faut une bonne petite boule de feu dans la tronche. Putain. Aïe. Hop. Oh le bâtard. Oh le chien, sa mère, je suis foutu. Il a plus sa bûche. Putain mais gros, c'est une blague. Mais c'est une blague. En plus j'en pouvais pas avoir d'élite sur les cochons. Oh là. Attends. Oh le chien avec son pêcheur. Son pêcheur de mort là. Mais là je peux rien faire frère. Vous voulez que je fasse quoi? Bah ouais bah il va boule de feu. Il me boule de feu même pas, c'est humiliant. Limite j'aurais préféré qu'il me boule de feu. Oh les gars, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Putain. On était si près du but. Il est même pas... Mais il est même pas très fort. Je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Non, je suis deg. On était presque. Il manquait 3 victoires, quoi. Bon, après, on est passé de 7 à 9. En vrai, j'ai battu mon record. En vrai, les gars, je me suis amélioré, non? Si ça veut dire que je me suis amélioré. Les gars, j'ai battu mon record de victoire. 6090 trophées, c'est pas mal du tout. Elle, je vais pouvoir l'améliorer. En vrai, c'est concluant. C'est concluant. Oh, par contre, là, j'ai un coffre, frérot. Oh, j'ai un coffre, mon gars.
Oh, il fait du bien ce coffre. Oh, 11 500 or. 55. Il y a combien de cartes déjà? Il y en a 400, je crois. Ok, magnifique. Imaginez, on a un champion. Mais attends, c'est possible ça? Attends, en vrai. En vrai. Ok, 67 électro-esprit, pas mal. Ah ouais, non, en vrai, faudrait qu'on ait toutes les communes. Parce que c'est 5 cartes pour avoir un champion. Là, faudrait qu'on ait toutes les communes ou toutes les épiques ou je sais pas. Non, mais on n'a pas tout. Ah, dommage. Au moins une légendaire. On a toutes les communes, là. Ok, on a toutes les épiques. On a toutes les rares. Et on a la légendaire. Let's go. Petite légendaire qui fait plaisir, frérot. Ok, une voleuse. Vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comment on s'est fait voler la victoire. J'ai trop le seum. Merde, quoi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, je suis une clé. Attends. Ah, mais Thunder Harris, il est revenu. Pourquoi il était parti? Thunder Harris, je pense que je vais le virer. Parce que j'aime pas les gens qui font des allers-retours. J'aime pas trop les gens, ils font des allers-retours dans le clan, c'est trop chiant. Donc j'avoue, j'hésite un peu à le virer. Neuro, on l'a jamais vu. Neuro, bienvenue frérot. Bienvenue les gars, bienvenue. On est 50 dans le clan, quel clan de folie. Quel clan de folie, bon je fume qui là? Je fume qui? J'ai envie de fumer des gens. Mes défis, je peux fumer personne. Attends, dans mes amis, il y a Kitko. Oh, il y a Piware. Oh. Attendez, je fume moi le ouf. Viens là, ouais, le ouf. Je vais le fumer. Vous croyez qu'il accepte ou pas? Je le fume. Imaginez, je 1v1, ouais, le ouf. Je crois qu'il veut pas. Là, il a peur. Il a peur, je comprends. Attends, il y a Piware qui joue. Venez, je le 1v1. Il joue quoi comme deck? Attends, il est en train de gagner, là. Oh, il est en train de le fumer. Attends, Piware, il joue méga chevalier, sorcière de la nuit. Il joue tornade, Piware. Tornade, c'est une carte un peu skillée, hein. Ok. Il va repartir en push, méga chevalier, sorcière de la nuit, c'est sûr. Il y a 3 cartes qu'il a pas joué, le frérot. Ouh. Le combat de méga chevalier. Ouh, le... Mais attends, mais ils ont le même deck. Wesh, il y a tellement de chauves-souris là chez Beware. Frérot, il a créé une nouvelle carte, l'armée de chauves-souris. Et le mineur pour tanker tout ça. Oh, c'est beau. Oh, le 3 coucou. Oh, le 3 couronne. Facile. Facile, Beware, quel monstre. Venez, je le fume. Eh, venez, je fume. J'ai envie de le fumer, gros. Viens te battre, Beware. Viens te battre. Oh, ouah, le ouf. Ouah, le ouf, il veut me tester. Mais il sait pas. Il sait pas. Oh, alors là, les gars, on lui souhaite bonne chance. Souhaitez-lui bonne chance. Dites tous bonne chance, ouah, le ouf. Je vais l'atomiser. Les gars, je suis pas serein. On va voir. Putain. Bûcheron. Ça peut bien défendre les barbares d'élite ou le PK s'il les a pris. Électro-géant ou pas? En vrai, l'électro-géant, il sait le défendre, c'est sûr. Je le prends quand même. Balek, oui. Balek. Séisme. Oh là, les gars, vous êtes pas prêts. Oh, les gars, vous êtes pas prêts. Ça va, mes gobelins? Eh, vous êtes des chiens. Arrêtez de m'appeler le gobelin. Attends, il prend grave son temps, là. Il prend grave son temps, frère. En vrai, j'ai un bon deck. Hein. Ah, je vous jure qu'en vrai, j'ai un assez bon deck. Good luck. Mec, je suis contre Walouf. Putain, c'est la merde. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée ce que je viens de faire. L'électro-géant début de game. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais c'est envoyé. Maintenant, il va falloir assumer, frérot. Je crois qu'il pouvait pas prendre la bûche ni rien parce que c'était moi. Ah mais j'ai oublié, l'électro-géant, il les fume les fripons. Ah elle est trop relou. Elle en défense, elle est trop forte, elle stun. Aïe, il va arriver trop tard. Et merde.
Ok, je pense que là en termes d'élixir, lui il est bien et moi je suis pas très bien. Ah, je pense qu'il a pris Canon et Cavabellière pour défendre mon électro. Et que ça va très bien défendre. Allez, la sorcière, je compte sur toi. Oh non, mais il a de la chance. Il a de la chance. C'est de la chance. C'est bon, c'est bon. Dans, en élixir x2, je le fume. Élixir x2, je le fume, frère. C'est bon, c'est bon. Hop là, vas-y, la mousquetaire. J'ai même pas peur. J'ai même pas peur. Encore les fripons. Hop là, envoie un canon là. Putain, il a pas mis de canon. Oh le bâtard. Putain. C'est pas possible. Ah mais je suis con, j'ai ça pour des... Je l'ai envoyé trop tôt. Oh je l'ai envoyé trop tôt, fais chier. Mais je fais trop d'erreurs. Non mais parce que j'ai la pression. C'est de la triche. C'est juste que j'ai la pression. Oh le chien. Putain mais c'est pas possible. Oh le gobelin sarbacane qui gratte. Ça suffira pas. Oh là là, il m'a fumé. Oh mec, il m'a atomisé. Hein. Mais pourtant son deck il est nul, je comprends pas. Il m'a atomisé avec un deck trop nul. Putain. Les gars, faut pas le tester. Non mais faut pas le tester. Bien joué le... bien joué Walouf. Faut pas le tester les gars, il est au-dessus de nous. L'élève a encore du chemin à parcourir. Il est trop fort. Oh, il est confiant, il m'en renvoie. Ok, alors là, ok. Ok, alors, non, là, ok. Là, il me cherche. Non, là, il fait trop le mec. Là, frérot, c'était le combat trop. J'ai analysé. J'ai analysé comment il faut jouer. Tu m'as appris des choses, ouah, le ouf. Maintenant, c'est à moi de t'en apprendre. Tu vas voir, frère. T'es pas prêt à ce que je vais lui mettre. Est-ce que je prends ça? Je prends les gardes, je prends les gardes. La sorcière, il a pas le sort de foudre. Oh, le zapis, il a pas ce qu'il faut, ça peut faire très mal. Oh merde, je prends quoi là? Déjà, s'il a géant ou géant royal, mon zapis va faire un taf monstrueux. Et je prends ça pour gratter. Allez. Alors là, frérot. Alors là, frérot. Il est fini. Il est finito. Walouf, t'es finito, frère. Bonne chance. Il stream hack. Non, je pense qu'il a pas besoin de ça. Oh le bâtard. C'est bon, il y a la Tesla. La Tesla elle counter parfaitement le cochon. C'est magnifique les amis. Hop là. Ah la foreuse qui arrive un peu tard. Moi je veux juste que la foreuse. Voilà, la foreuse elle tank la sorcière. Mais la sorcière elle s'est fait tuer de toute façon. Putain mais il a bien défendu là quand même. Ok, la voleuse, très bien. En vrai, là, j'ai un peu ses contres. Hein. J'ai la Tesla pour contrer son cochon. J'ai les gardes pour contrer la voleuse. Après, lui, il a un deck qui cycle. Ouais, voilà. Et là, mon zapi va être trop long. Pourquoi j'ai mis le zapi? Je suis trop con. Bon, ça passe, en vrai. Il a mis deux coups. Oh, le bâtard. Oh, il a raté sa roquette. Oh, il l'a raté. Après en vrai ça va, c'est 6 élixirs pour 6 élixirs. Mais il a quand même raté sa roquette. Putain, attendez. Parce que je crois qu'il a la Valkyrie pour défendre ma foreuse.
Ah non, c'est la voleuse. Il a la voleuse pour défendre la foreuse. Par contre, là, sa mousquetaire va saouler un peu. Hop là. La mousquetaire, on n'en parle plus. S'il envoie le cochon, j'ai la Tesla. Il envoie le cochon, c'était sûr. La Tesla, je l'ai pas très bien placée, mais en vrai, elle fait le taf quand même. Et je savais que si je la plaçais minutieusement, je pouvais me louper en fait. J'ai préféré pas prendre de risques. Bon, le Zappy, je sais que si je le mets, il va foudre. Hop là. Magnifique flèche. Ça part sur une foreuse. Et là, mec, là, il va avoir trop le seum. Oh, il a pas mis sa voleuse à temps. J'ai trop le seum. J'aurais kiffé y mettre sa voleuse juste avant. En vrai, là, je peux lui mettre un peu la pression, je pense. Hein. Oh, le bâtard. Ok. Il a roquette. Il a décidé de roquette la sorcière. Du coup, je mets le zap. Tesla, très bien placé, frérot. Putain, elle a les relous. Oh, fais chier, mes flèches, elles ont servi à rien. Attends, mais là, c'est serré, hein. Après, j'ai un peu ses contres. Oh, le bâtard, il va me gratter à la roquette. Oh non. Oh non. J'ai plus ma Tesla, j'ai plus rien. Carrément, j'en ai oublié son cochon. Mais mec, il joue trop bien. Mais il joue trop bien. Mais c'est pas possible, frérot. Il y a zéro erreur. Il y a zéro erreur. Il cycle parfaitement. Il me met la pression. Il joue plus son cochon pendant 10 minutes. Donc j'oublie qu'il a un cochon. Et au final, il me rush au cochon. Putain. Putain, il est chaud. Encore 3 bourgeons. Putain, il est chaud. Non, Walouf, il est trop fort. Je te laisse tranquille, Walouf. T'es trop fort pour moi. Oh, Piway, il s'est fait allumer. On va faire un truc. Il est en live, Piway, ou pas? Piway vient de se faire allumer. Hop. Les choses sérieuses commencent, Piway. Les choses sérieuses commencent. Maintenant que tu sais jouer, frérot. Viens, on va se battre. Pourquoi je sens qu'il va pas accepter? Il est en live ou pas? Dis-moi qu'il accepte. Ah, il est pas en live. Oh, il a accepté. Oh, il a accepté. Oh là 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 là. Les choses sérieuses commandent. Eh, en vrai, sachez que c'est mon premier combat contre Piware. Hein. C'est mon premier combat contre... Oh, bordel. Bah, bien sûr, je prends le golem, frère. Comment ça, j'hésite? Comment ça, j'hésite? C'était plus un oh, bordel de let's go, j'ai le golem. On prend les gardes. Oh. En vrai, moi, les électrocuteurs, je les kiffe de ouf, hein. Les électrocuteurs. Je pense que là j'ai un deck qui coûte cher. Voleuse. Je vais prendre voleuse, sinon mon deck il coûte trop cher. Allez, c'est parti. Mon premier combat contre mon frérot. Bonne chance. Il est pas prêt. Il sait pas comment je vais lui rouler dessus. Frérot, j'ai mon golem. T'es foutu. Carrément, j'ai envie de... Eh, vas-y, les gars. Hop là. Je vous jure, c'est rentable. Non, mais parce que la princesse, je l'aime pas du tout. Attends, il défend pas ça. Mais attends, mais c'est un malade. Attends, la voleuse, elle va se faire tuer, là. Ok, ça passe. Mais il a vraiment pas défendu la machine volante. Oh. Il défend pas la voleuse. Oh là 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 là. Puis ouais. Oh ouais, non, là c'est. Là ça change de Walouf, hein. Là, passer d'un Walouf à un Piware, il y a une différence. Mais après, lui, je crois, il y a des cartes qu'il connaît pas encore en même temps, le pauvre.
son molosse, je vais l'atomiser, frérot. Oh, le prince ténébreux, dommage, il a pas eu la princesse. Putain, mais c'est trop cheaté le fait qu'il saute au-dessus des ponts maintenant, les princes ténébreux. Enfin, les princes. Et là, mon pote, il va devoir défendre eux. Et moi, je peux directement envoyer un golem. C'est parti, mon frérot. Super combat, j'ai gagné. Je fais trop le mec. Imaginez, mais en vrai, il va me surprendre. Je vais pas être prêt. Après, la voleuse derrière le golem, je suis pas sûr que c'était un bon choix, mais bon. En fait, j'ai rien pour accompagner le golem, moi. Je suis en train d'y penser, là. J'ai un golem, mais j'ai rien avec. Ok, le prince ténébreux qui est complètement kéblo. Petit sort de foudre. Bah là, je suis bien, hein. En vrai, là, les gars, attends, il a vraiment poison mes golemites, là. Ça se voit, il a pas l'habitude de se battre contre le golem, Piware. Mais si en vrai il est à 5000 trophées, il connaît toutes les cartes. Oh là 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 là, il défend pas mon golem, il est fou. Il est... Oh le bâtard. Putain, le bourreau il défend trop bien par contre. Mec, je défends pas son molosse. Mais en fait du coup il est obligé de défendre et il peut pas accompagner le molosse. Et du coup frérot il prend cher. Oh, le poison il l'a raté ou je rêve. Hop, on envoie tout ici. Ah, fait chier. Putain, je l'ai pas 3 couronnes. Oh, je voulais trop le 3 couronnes. Oh, je voulais trop le 3 couronnes. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je voulais trop le 3 couronnes. Oh, il est trop mignon. Il a perdu, il me dit bien joué. Il est trop mignon. Tu dis pas bien joué. Oh, il y a Inox. Vous pensez qu'il accepte ou pas? Alors là frérot, vous pensez qu'il accepte ou pas? Oh, je vais lui mettre. Oh, il va avoir trop le... Oh, il a accepté. Oh, le bâtard, il a le golem. Oh, j'ai trop le seum. Il a le golem. Oh là, elle a les gars. Je connais Inox. Là, il est content. Il se dit, ah, il va avoir Michou, je vais lui mettre et tout. Je vais le fumer. Vous êtes prêts ou pas? Je vais l'atomiser. Je vais l'atomiser. Je pense qu'il est pas prêt, hein. Je prends quoi là? En vrai, je prends les électrocuteurs, je les prends tout le temps, je les aime trop. Attends, il est à côté là. Je vais prendre le gel, il va pas s'y attendre. Je prends quoi en vrai? Oh putain, ça peut être trop fort. Mais j'ai pas vu ce qu'il pouvait prendre. Ça peut être trop fort, mais j'ai pas vu ce qu'il pouvait prendre. Vas-y, en vrai, je prends la mamie sorcière. Ah, t'as vu s'il a pris l'armée de squelette? Shuguchi. Ça pour cycler. Ça, au cas où si, je sais pas ce qu'il a, mais ça peut être bien. Ça, c'est trop fort. En vrai, j'ai pas un deck de malade. Hein. Ah, les gars, je vous dis, j'ai un deck, j'ai pas trop d'attaque. J'ai un deck défensif, quoi. J'ai un deck défensif grattage. On va voir, on va voir, on va voir. C'est parti, bonne chance, frérot. Ouh, le bouliste. Bouliste, j'aime pas, frère. J'aime pas jouer contre le bouliste. Mais en vrai, attends, le bouliste, il me counter de ouf, non? Mais attends, je suis dans la merde là. Il a PK gros. Aïe. Ouh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Ok, magnifique. Oh, le bâtard. Attends, mais le bouliste il va me rendre fou. Oh.
Les gars, je peux vous dire un secret là, je suis pas serein. Je vous dis un secret, hein. Je suis pas serein du tout. C'est la méga merde. Mais attends, mais les gars, c'est la merde. Ok, toi tu passeras pas par contre. Désolé mon pote. Attends, on va passer là. Non, c'est bon. Sauf que là, il va envoyer le PK. Et je peux rien faire. Comment je passe là? J'essaie d'analyser, hein. Je vois pas, hein. Toi, tu vas die. Oh, le chien. Oh, ça gratouille. Oh, ça gratouille. Ok, les gars, on va devoir gratter, hein. Ça va être un petit gratte le plus. Putain, mais lui il me rend ouf. Ah, mais il a grave mon enfer. Oh, la machine volante encore en vie. Ok, il est obligé de BDF. En vrai, j'arrive à lui mettre la pression. Ok, putain, le combat chiant, toi. Elle va faire mal. Aïe. Aïe. Aïe, frérot. Putain, mais c'est pas possible, frère. Je peux pas battre contre lui, frérot. Putain, mais c'est son bouliste qui me rend ouf, en fait. La vie que son boulis, il me rend ouf. Putain, le chien. On a battu quoi? C'est trop nul. C'est pas un vrai combat. C'est pas un vrai combat, frérot. C'est pas un vrai combat. Frérot, le combat il est même pas terminé. C'est pas un combat, ça. C'est pas un combat. C'est un entraînement. C'est quoi? Bah oui, on va la refaire. Bien sûr. Bien sûr. Et là, je vais te rouler dessus. Et là, je vais te rouler dessus. Frérot. Mais en vrai, il m'a bien. En vrai, il m'a géré. En vrai, il m'a bien counter. Il m'a bien counter. Mais les gars, je vais le fumer. Je vais le fumer. Mais j'ai trop le seum. Parce que là, il va être en mode. Ah, je t'ai battu. Ah. Enfin voilà, enfin une inox. Ok. J'analyse les cartes qu'il peut prendre. Ok, pas de problème. Pas de problème pour l'instant. Il peut reprendre le PK. Il va sûrement prendre le PK. Je ne sais pas. Je prends le canon. Canon, ça défend très très bien. Petit sort de foudre. Ça c'est aux petits oignons. Oh putain, mais il peut encore avoir le golem. Mais c'est un châteux. Ça pour défendre et contre-attaquer aux petits oignons. Un bébé dragon et électrocuteur. Pêcheur, il est fort par exemple s'il prend le golem, mais j'aime pas trop moi.
Bon, vas-y, je le prends. Il va falloir que j'apprenne à le jouer. Hein. Thompson. Ah non, j'ai. Vas-y, j'ai le canon. Ok, j'ai un deck. Ouais, ouais. On va voir. Là, j'ai plus pris pour le contrer que pour moi jouer. Il y a un deck qui le contre, quoi. Ah, mais il a pris ça. Ok. Je pensais pas qu'il allait prendre le cochon. Hop là. Petit sort de foudre, le truc qui remet un coup en plus. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il a repris PK. Mais mec, il aime trop le PK. Hein. En vrai, ça m'arrange qu'il ait pris le PK parce que là, j'ai trop de défense. Là, le PK, il peut rien faire. Putain, le poison. Le poison, il a un peu bien joué quand même. Oh, la bûche, elle est de trop, frérot. Ah, j'aurais du tornade pour envoyer le cochon sur ma tour du roi. Bon, après, tu me diras, il est bien défendu. Hein. Là, il va pas pouvoir passer. Hein. Là, les gars, il va péter un plomb. Je vous le dis, il va péter un plomb parce qu'il va pas pouvoir passer. Je sais pas si j'ai bien fait de la mettre. Je la défends pas. Ok. Il envoie un PK un peu tardif. Il va sur mon poison. En vrai, s'il poisonne les électrocuteurs mais pas les gardes, c'est béné pour moi. Parce que les électrocuteurs, c'est pas grave. Alors que les gardes, le PK, il est obligé de mettre 6 coups. Mais en vrai, là, il est dans la merde. Hein. Son PK, il peut pas avancer. Hein. Eh oui, frérot. Là, il va péter un plomb. Là, les gars, je connais Inox. Hein. Il va péter un plomb. J'ai juste envie qu'il envoie un cochon et que je le mette ici. Putain, je sais pas quoi faire là, frérot. Oh, le PK. Oh, le PK qui arrive. Bon, mon pêcheur, il a servi à rien du tout. Mais au moins, il était là. Le cochon qui se prépare. Même pas, hein. Encore une fois, il a laissé les gardes tout seul. Ah, fait chier, ça a tué mon... Bon, mon sort de foudre, là, il était nul à chier. Hein. Qu'on se le dise. Hop là! Oh, les gars, là, j'ai gagné en vrai, hein. Ah, fait chier, ça va pas taper. Attends, en vrai, j'ai pas gagné. En vrai, j'ai pas gagné. Mais hey, il s'est amélioré, le con. Je vais jouer sérieux 2 minutes parce que là. C'est quoi ce sort de poison là? Je dirais où il a envoyé le pire poison. Allez, toi, viens là. Il a trop le démon. Il a trop le seum. Et là j'envoie Cava Bélier Foudre et c'est finito. Et c'est finito, frérot. Et c'est finito, frérot. Let's go. Voilà, ça c'est un vrai combat, ça. Ça, je t'explique, ça c'est un vrai combat. Non, le combat d'avant il comptait pas. Il comptait pas. Mais le pire, c'est qu'Inok, j'ai l'impression, il me fume souvent quand on fait des combats. Le premier combat qu'on fait, à chaque fois, il me fume. Et après, je le bats. Ok. Ça, frère, si je le joue bien, c'est mon... Ça va être monstrueux. J'ai un combo, déjà, il est monstrueux. Par contre, j'ai choisi trop vite. J'ai pas regardé ce qu'il pouvait prendre. Elle est plutôt forte. Moi, je l'aime bien. Tout à l'heure, la mamie sorcière, j'arrivais pas à la jouer, frérot. Ça, j'aime trop le sort de foudre. Oh là là, est-ce qu'il reprend le PK, vous croyez? Là, j'ai pas de quoi défendre les barbares d'élite ou le PK. Hein. Putain, j'ai encore ça, là.
C'est sûr, il a pris lui. C'est sûr, il a pris lui. Ok. Putain, j'ai rien pour défendre son PK, frère. S'il a pris PK, je suis dans la merde. S'il a pris barbare d'élite, c'est défendable, mais c'est la merde quand même. Quoi? Il a trop le seum. Ma Tesla, elle a fumé son mortier. Il est dégoûté, frère. Oh là là, l'artificier. J'ai même pas fait exprès. Je dois vous dire la vérité. L'artificier qui a activé la tour du roi. Pourtant, je connaissais le move, hein. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Et du coup, let's go. Ah, fait chier, il a pris le PK, frère. D'accord. Alors, on va voir. Mais non, bombardier, faut que tu fumes là. Putain, fais chier quoi. En vrai, j'aurais pas dû Tesla. Ah, fais chier là, j'ai fait nimp. J'aurais dû cavabélier. Putain, mais attends, mais je rêve là. Il va me fumer au mortier, gros. Oh, let's go, le gobelin Sarbacane, il l'a tué. Oh, hey, mec, le gobelin Sarbacane, il est trop fort. Hein. Putain, je sais pas comment je peux faire en vrai. Elle, elle va pas me saouler, frérot. Allez, hop. Oh, le bâtard. J'ai pas pu gratter. Putain, mais gros, son mortier, il rend ouf. Ouais, je pensais pas dire ça un jour, gros. Bah attends, il va me fumer au mortier, gros, j'en reviens pas. Mais hey, c'est trop amélioré, Inox, pas possible. Je pense que là, il a peut-être été trop gourmand. Attends, quoi que... Oh, le bâtard, j'ai pas vu. Mais là, le mortier, il a plus qu'à cycler sa boule de feu, là. Allez, l'archer. Ah, il a trop le seum. Il a trop le seum. Ah, ah, j'ai stressé sa mère, les gars. J'ai serré les fesses. Oh, j'ai serré les fesses. Oh, j'ai serré les fesses. Mais par contre, frère, en tirage triple, il choisit bien bien ses cartes. Putain, j'ai plus qu'un pour cent. Bon, on tente, les gars. Au pire, si la tablette a s'éteint, il sera content. En tirage triple, il choisit quand même très bien ses cartes. Hein. Ok, Zapis, il a pas de quoi défendre. Valky, j'aime trop. Machine volante, j'aime trop. Mais après, moi, mon problème, c'est que j'ai souvent les mêmes decks. Et du coup, c'est facile de savoir ce que je joue. Je prends tout le temps les mêmes cartes. T'es mal, gros. J'ai le même deck que tout à l'heure. Non, pas géant. J'ai le même deck que tout à l'heure. Je prends tout le temps les mêmes cartes. Et en plus, je l'ai choisi trop vite. Et du coup, je regarde pas ce qu'il peut... Non, mais là, j'ai mal joué. Là, j'ai mal joué. Putain, mais il me rend fou, frérot. 4 games, il a 4 PK, frère. 4 games, il a 4 PK. Il me rend ouf avec son PK de mort. En vrai, ça va. Là, j'ai ce qu'il faut.
On va lui mettre un peu la pression. Putain, il a tapé, hein. Il a tapé le Pékin, hein. Allez, filme la voleuse. Voilà. Le Zappy qui fait une défense monstrueuse, les amis. Elle est monstrueuse, la défense du Zappy. Putain, le chien. Donc là, son PK, il va die. Bon, ça va, il a lancé un PK un peu suicidaire. Hop là, nous on va gratter de l'autre côté. Il a pas les archers pour défendre la foreuse. Comment il va la défendre? Avec un sorcier, ok. Bah, il va falloir que je fasse comme tout à l'heure, hein. En vrai, foreuse foudre, c'est un bon combo. Parce que du coup, ça fume son sorcier. En même temps, le foudre il gratte. Ok, ça je vais laisser gratter, c'est pas grave. Oh non, la Valkyrie aurait quand même pu en défendre un. En vrai, on a encore à peu près égalité, hein. Oh, son pêcheur, frère, il le joue trop bien. Alors là, le pêcheur, rien à dire, il le joue bien. Rien à dire, frère. Putain, mais le pêcheur, il a vraiment une portée illimitée, en fait. Dès qu'il a une cible, il la prend quoi qu'il arrive. Okay. Zappy. Ok, là, je vais pouvoir foreuse foudre. Et ça, ça peut faire mal. Sauf s'il met ses archers, en vrai. Ok, donc là il a mis ses archers, il va pouvoir défendre. Oh le chien, sa mère. Ok, là la foreuse a fait mal. Oh, la foreuse de l'autre côté a fait mal. Il m'a fait mal aussi avec ses sapeurs. Mais gros, d'où il joue sapeur lui? Wesh, il a géchant Inox. D'où il joue sapeur le frérot? Et là, là je vois pas comment il va défendre. Là il est mort. Attends, il défend pas? C'est fini. C'est fini, let's go! C'était ma dernière game les gars, après je vais avoir 0%. Bon, il m'a battu une fois, après il m'a mis la pression. En vrai les gars, je dois avouer, franchement il s'est amélioré. Il a renvoyé un combat direct. Il va être dégoûté. Il va être dégoûté. Non mais là, là je vais quitter le jeu. J'annule. Il est dégoûté. Là je sais exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, non mais sérieux, machin, non mais... Vas-y, il savait très bien que j'allais l'allumer, si, il savait très bien, il a eu trop peur, il a trop peur, oh, il est sérieux, c'est vraiment une tapette. Je suis en train de dire ça là, c'est sûr. Bref, les gars, merci d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez kiffé les frérots, j'espère que vous avez kiffé ce petit live Clash Royale, moi j'ai surkiffé. Rod toujours pro. Inox, désolé frérot, tu peux t'entraîner, tu peux te faire coacher par Walouf, par qui tu veux, tu ne me battras pas. Enfin, il m'a battu une fois, après je l'ai battu trois fois, donc j'ai encore une fois montré que j'étais meilleur que lui. Mais voilà, voilà, voilà. Rod toujours pro, c'est pour bientôt les gars. Bref, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi ce live, vous êtes les boss. Nous on se retrouve demain, je serai pas ici, je liverai pas. Samedi je liverai peut-être et dimanche dans tous les cas nouvelle vidéo. Donc voilà, merci d'avoir suivi, vous êtes les boss, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao l'équipe. Mouah, mouah, je vous kiffe les gars, mouah, bisous, bisous.